10h00 en Galvidié, dans les proximités du fleuve Benoué. Nous sommes là dans le septentrion et plus précisément dans la très belle ville de Garoua. Mesdames et messieurs, c'est la même heure du côté de Ngat. La ville de Meyoumessala a donc le quartier qu'on appelle Ngat. Nous voulons vous dire que c'est la même heure de ce côté. Soyez les bienvenus à cette autre édition de votre programme de tous les matins. Du lundi au vendredi, il s'agit d'Espace Miné qui prend droit de cité. Ce matin, nous n'allons aucunement déroger à la règle. Nous resterons dans la logique de la dénonciation, nous resterons dans la logique de la revue de la presse, nous resterons dans la logique justement aussi de la thématique centrale. Qu'est-ce que nous allons aborder comme sujet ce matin? Nous allons questionner l'état de choses et surtout des lieux sur ce qu'on a appelé depuis un certain temps les influenceurs dans notre pays. Que sont-ils devenus? Qu'est-ce qu'ils font? Et alors, à quoi rime justement cette appellation? Nous allons essayer de rentrer dans un questionnement détaillé et approfondi pour parler justement des influenceurs compte tenu de la réalité qui découle. Nous allons prendre pour prétexte justement la perte de notre très cher Cabral Nyandim. C'était encore hier, toutes premières heures de la matinée. Mesdames et messieurs, ça sera le gros plat de votre émission de ce matin quand on parle d'espace miné. Espace miné, c'est également la citation du jour avec notre consultant permanent. Espace miné nous renvoie également à nous rappeler quand cela est question, la journée que nous célébrons chaque jour ou alors toutefois que nous nous retrouvons sur ce plateau pour éviter la tautologie. Nous vous saluons, vous tous qui nous regardez depuis Azerbaïdjan, vous êtes nombreux à nous regarder depuis la Turquie. Merci pour votre fidélité. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Et pour le faire justement, je me fais toujours entourer par ces derniers que j'ai présentés en quelque sorte, notamment consultants, juristes, mais aussi d'autres invités spéciaux ou spéciales. Vous allez comprendre pourquoi cette comparaison d'ici quelques poussières de secondes quand j'aurai terminé d'accueillir tout d'abord Bernardo Basson. Bonjour. Bonjour Jean-Bruno et Fangonor. Bonjour aux copanélistes. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent depuis Dizangué et depuis Déa. Dizangué, c'est une petite ville non loin de Déa. J'y ai vécu un tout petit peu. Bonjour à ceux qui nous reçoivent depuis Bafia également. À Bafia, j'ai également beaucoup d'amis, beaucoup de personnes très importantes. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 16 du mois de juin. Nous célébrons la Journée internationale de l'enfant africain. Journée internationale de l'enfant africain. Ouais. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui parce que l'Afrique se retrouve être une Afrique afropéenne, c'est-à-dire une Afrique qui se trouve à cheval entre ses valeurs primordiales à conserver et les valeurs occidentales qui l'ont pénétrée, à tel point que les mentalités, les façons de faire, les façons de voir sont forcément influencées entre les deux courants de pensée. Aujourd'hui, l'enfant africain se retrouve donc à cheval entre deux systèmes éducatifs, celui africain primordial et celui occidental qui a infusé celui africain originel, à tel point qu'il y a des situations dans lesquelles certains disent « je suis contre la violence sur les enfants, d'autres sont pour, je suis contre les mariages précoces, d'autres sont pour, je suis contre les avortements, d'autres sont pour ». Vous voyez que cette tendance-là ou ce tandem-là crée des problèmes à tel point que on a pensé qu'il fallait que l'enfant africain ait un statut défini, un statut unique. Et donc c'est cette journée qui a été arrêtée pour réfléchir et penser de ce genre de situation. Ce genre de situation, quand on sait également que le cliché qu'on a toujours présenté de l'enfant africain, c'est celui-là qui est sale, qui est affamé, qui pleure, pendant que si on fait un peu le juxtaposé, on va voir de l'autre côté, on va toujours chercher les enfants qui ont le biberon, le lait qui coule, le miel et tout ça. Voilà un peu comment ça se passe. Bon, je pense que instituer la journée de l'enfant africain,
gens véritablement. Si tel n'était pas le cas, il fallait le faire. C'est une construction occidentale maladroite, malheureuse, mais subtilement pensée. Hein. Ah voilà, vous savez, surtout. Oui, subtilement pensée, voilà. Parce qu'il y a un complexe occidental qui tend à présenter ce continent comme étant supérieur à l'Afrique. Et forcément, par ce qui est présenté comme cliché, on essaie de montrer une Afrique délabrée, une Afrique désunie, décousue et sale. A contrario, on montre une Europe subtilement faite. Il y a des personnes propres et sales ici et ailleurs, des personnes en santé ici et ailleurs, des enfants bien traités et maltraités ici et ailleurs. Donc forcément, moi, ce sont des clichés que je ne garde pas en esprit. Ce qui m'intéresse, c'est de penser à une Afrique prospère. Merci d'être des nôtres ce matin. À côté de vous, c'est le consultant permanent de ce programme. Il s'agit bien naturellement du sage Blériot Niemek. Bonjour Blériot. Bonjour Jean-Bruno Ifangono, bonjour à votre impressionnant panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je m'en vais souhaiter un joyeux anniversaire à une amie à moi, Sandrine Essombe, qui fête un an de plus aujourd'hui. Elle est au parquet de Bonaberry, Douala, dans le cabinet de très grand ami à moi, Mbanga Pehe. Donc Sandrine, joyeux anniversaire aujourd'hui, et c'est ton jour. Je serai d'ailleurs à Douala en soirée, on pourra se voir. Sandrine, faut envoyer mon sirop. Voilà, voilà, parce que j'allais le dire. Blériot, il est très, je ne veux pas qualifier cela, mais comment vous voulez souhaiter l'anniversaire ici et vous donner rendez-vous à Sandrine pendant que nous allons rester à Yaoundé? Sandrine, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, et Sandrine. J'attends le sirop. Nous attendons. Sinon, je vais dénoncer ça ici. je vais te dénoncer. Je vous mets dans le chantage. Bon, la citation du jour. Dès que vous décidez de vivre la vie d'un autre, tournez le dos à la paix intérieure. Dès que vous décidez de vivre la vie d'un autre, tournez le dos à la paix intérieure. Si on peut expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Ah ben, je crois qu'on aura beaucoup à dire aujourd'hui. Hein. Le paraître, les bleu bling bling, le m'as-tu vu, et les autres ont fait déjà. Les autres, je suis déjà en retard. Mes copines sont déjà à tel niveau, tel est en mariage. Non, il n'y a pas de commune mesure du bonheur. Ah oui. Ne vivez pas la vie d'un autre, vivez votre vie. Vous avez une vie à réussir, vous n'avez pas un monde à impressionner. Exact. Ouais. Là encore, ça se dit et ça se comprend. Vous avez une vie à réussir et vous n'avez pas un monde à impressionner. Or, vous voyez ce dans quoi les gens sont tombés aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un qui va chez un oncle, il se filme très bien, il dit chez nous. Bon, c'est pas chez vous, vous êtes chez votre oncle. C'est terrible. C'est dès qu'une fille entre dans ta voiture, oui, elle envoie. Après, c'est elle qui écrit pour dire qu'elle a des problèmes. Mais tu as dit que tu as la grosse voix. Et quand on a dépassé cette étape, on commence à vouloir avoir ces choses à tout prix et même à tous les prix. Et donc, c'est vrai que les routes sont mauvaises, mais après... On en paie le prix. Les conséquences sont fâcheuses. Après... On en paie le prix. Et puis d'autre part, c'est dans cette génération que j'ai vu que les gens qui avaient quelques biens tenaient à tout prix à ce que les gens sachent qu'ils ont des biens. Moi, j'ai grandi au village, on savait que la discrétion était très importante si on voulait réussir dans la vie. Mais je ne comprends pas cette génération. Mieux vivront cachés. Je ne comprends pas cette génération. Dès que quelqu'un veut aller en France le mois prochain, il a mis l'avion. Je dis, mais c'est pas possible. C'est quel monde ça? Mais Isa n'est même pas encore rétabli. Un faux bengataire vient et dit qu'il t'a demandé en mariage. Elle a déjà mis là-bas. Je dis, c'est pas possible. Quel est ce monde artificiel comme ça? Merci à vous, Blériot, pour cette citation du jour qui, inévitablement, aura des liens avec la thématique centrale arrêtée pour la circonstance. Je vous ai parlé des invités spéciaux. C'est la spécificité qui s'impose quand je commencerai par les présenter avec, naturellement, celle qui est dans le registre des amateurs des réseaux sociaux. Il s'agit de Nelly Ndaya. Je pense que je prononce très bien votre nom, Ndaya. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Okay. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment vous portez? Je vais super bien et vous? Non, je me sens comme... je porte comme le Cameroun. Hein. Merci. À côté de Nelly, nous avons également une autre jeune Camerounaise. Elle, c'est Kevin Paris. Kevin, bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Vous êtes influenceuse? Je suis actrice et scénariste. C'est vrai, on m'appelle souvent influenceuse, chose que je n'aime pas trop. Ah bon? Parce que pour moi, au Cameroun, le nom d'influenceur est... Influence. P
je veux dire, c'est trop péjoratif à mon égard, vu tout ce qui se passe dans ce. Vous commencez à refuser votre nom dès le départ. Non, je ne refuse pas. Alors que c'est pas. Le nom que vous abordez. Non, je ne refuse pas. À la base, je suis actrice et scénariste. Maintenant, les gens peuvent me qualifier d'influenceuse, peut-être. Par ce que je fais, ce que je montre aux gens, peut-être, j'ai dit peut-être. Donc, du coup, mais je préfère qu'on m'appelle actrice. Parce que c'est ça qui me qualifie. Non, c'est mieux qu'on vous appelle influenceuse. C'est à ce titre que vous avez été. Vous êtes influenceuse, ne fuyez pas. C'est la situation de Blériot qui vous fait ensuite. Ça a déjà La situation ne me fait pas jeter ma casquette. Je dis juste qu'à la base, je suis actrice. Oui, mais maintenant, en étant actrice, je peux influencer. C'est là où je peux porter cette casquette d'influenceuse. Merci, soyez bienvenue sur le plateau de Espace Miné, mesdames et messieurs. Nous voulons prendre juste une petite virgule, le temps d'accueillir l'homme de la revue de la presse pour la suite de votre programme de ce matin. À tout à l'heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h52. Nous accueillons à l'instant même Théophile Vianney via TVB, l'influenceur de la revue de la presse, ou alors plus clairement, l'influenceur de la presse. Oui, bonjour TVB. Je commence de plus en plus à influencer la presse. Oui. Merci. Bonjour JBE, bonjour également à votre panel qui est assez riche ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs que je retrouve encore ce jour. C'est la dernière sortie de la semaine. Bonjour à ma grand-mère qui me regarde en ce moment. Sa santé n'est pas au bon niveau, mais bon, elle est toujours devant l'écran. Oui, je voudrais m'associer à vous pour souhaiter un bon rétablissement à la grand-mère. Oui. Elle est partie du village pour venir prendre le soin aux côtés de son beau-fils. Bien c'est ça le... De son petit-fils. De son petit-fils, ouais, pardon. De son petit-fils, ou alors de sa belle-fille, ça se comprend encore comme ça. Parce que l'enfant africain, on l'a présenté depuis très longtemps comme celui-là qui ne pouvait pas prendre soin de ses grands-parents. Hier encore, j'en parlais avec Bernardo qui a présenté la journée des personnes âgées. Et c'est une habitude qui est rentrée dans les gènes de certains pour penser que le grand-parent, tout de suite, c'est quelqu'un qu'on doit laisser mourir seul au village, qu'on doit abandonner, mais vous faites le contraire. Vous êtes un exemple. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands-parents qui dérangent. C'est la raison pour laquelle ces grands-parents sont parfois mis de côté. Mais les grands-parents ne doivent pas déranger. Et c'est parmi ces grands-parents qui dérangent donc pas, ma grand-mère y figure. D'accord. C'est la raison pour laquelle elle bénéficie de bons soins. Si vous êtes un bon grand-père, une bonne grand-mère, vous bénéficiez des bons soins de vos petits-fils et de vos petites-filles. Mais si vous êtes une mauvaise grand-mère, vous serez abandonné. Un mauvais grand-père, on va vous abandonner. Ne nous abandonnez pas. Théophile Vianney via ce matin avec la revue de la presse. Nous voulons savoir que disent les unes. Voilà, JBE, les journaux qui sont disponibles en kiosque parlent sport, politique et même culture. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin qui s'intéresse à cette actualité et nous amène du côté de Douala avec le Centre National de Vidéosurveillance, l'annexe de Douala qui est donc désormais opérationnelle. Le journal nous fait savoir ce matin de la page 2 à la page 3 que c'est le représentant du chef de l'État, Paul Biya, le ministre d'État,
secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, qui a donc présidé la cérémonie d'ouverture hier, en parlant de cette cérémonie officielle d'inauguration du côté de la capitale économique du Cameroun. L'infrastructure était donc inaugurée en présence du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbargangele. Le journal Info Matin en parle ce jour et revient sur cette actualité pour nous dire que du côté Douala, l'annexe du Centre national de vidéosurveillance est opérationnelle. Sûreté nationale, on en parle également avec la nouvelle expression qui consacre sa grande une à cette actualité. La police renforce la sécurité du territoire. Le Centre national annexe de commandement par vidéosurveillance de Douala, qui a pour objectif de lutter contre l'insécurité, a été inauguré jeudi 15 juin 2023 par Ferdinand Gongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental n'est pas en reste. Ce journal parle également de cette actualité en pied de une. On revient donc sur la sécurité intelligente. Le Cameroun poursuit SAMU. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, a inauguré hier dans la capitale économique Douala, au nom du chef de l'État Paul Biya, le Centre national de commandement et de contrôle de la vidéosurveillance annexe de Douala. À terme, 7000 caméras de surveillance supplémentaires seront installées sur l'ensemble du territoire national. C'est l'information qu'on peut en lire de la page 2 à la page 3 du journal Cameroun Tribune, qui est en kiosque et qui revient également sur l'établissement des actes de naissance au Cameroun et nous fait savoir que 26 000 enfants bénéficient donc des actes de naissance au Cameroun. On en parle avec le journal Cameroun Tribune qui présente cette rencontre tenue hier du côté du ministère de la promotion de la femme et de la famille. On sait donc désormais qu'une convention de 250 millions va donc accompagner l'établissement des actes de naissance et ces financements vont donc rejoindre ici les mairies, les communes d'arrondissement. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle également de l'établissement d'actes de naissance. Le Minprof octroie plus de 266 millions de francs CFA à 21 communes. L'information est donc présentée ce matin au journal Le Quotidien en grande une. Le jour d'Aman Mana, c'est intéresse à cette autre actualité et parle de l'affaire d'Ampoulo. Même MTN Cameroun dénonce un braquage. Braquage est mis ici entre guillemets par le journal Le Jour qui parle donc de cette affaire. Le célèbre opérateur de téléphonie mobile se plaint de ce que depuis septembre 2022, ses comptes bancaires sont saisis en exécution de plusieurs ordonnances non contentieuses signées par le président du TPI de Douala Bonanjo. On en parle en page 6 du journal Le Jour. Bataille judiciaire. Michel Atangana, 27 ans en attente de réhabilitation. Information à lire en page 3 du journal Le Jour. Affaire MTN Cameroun. D'Ampoulo a-t-il menti? S'interroge le quotidien Le Messager de Feu Pius Ndiaoué et qui nous fait savoir que le top management de l'entreprise de téléphonie mobile qui dénonce la saisie de ses comptes bancaires dit avoir été victime d'un braquage et d'une grosse injustice. On en parle avec le journal Le Messager. Nécrologie. Il s'appelait Nyamtong. Le célèbre humoriste Cabrel Nandjip a rendu l'âme hier des suite d'un accident de la circulation. Le journal Le Messager rend donc hommage ce matin à Cabrel Nandjip. La Voix des Jeunes revient également avec cette actualité triste en principale une. Nécrologie. Adieu Cabrel Nandjip. L'influenceur nous a quittés ce jour des suites d'un accident de la circulation. Il faut dire que c'était hier sur la nationale numéro 3. Le Popoli qui est en kiosque, ce journal satirique, parle également de cette même actualité et revient présenter ici la réaction des influenceurs. Sans attendre que sa dépouille refroidisse, des influenceurs livrent Cabrel Nandjip au buzz. Le journal en parle ce matin et revient donc sur cette triste actualité. Il surprend son épouse dans le lit du curé. Le journal parle également de ce fait au bas d'une ce matin. Il s'agit bel et bien du journal satirique Le Popoli. L'œil du Sahel reste dans les hommages avec ses hommages du Grand Nord. On parle de Nijon Frundi et le Grand Nord ce matin de la page 6 à la page 8. Le journal présente donc les hommages du Grand Nord, bien évidemment qui parle de Nijon Frundi. On revient donc sur cette actualité triste également avec le journal de Gibaï Gatama. Au bas une du journal Essingan, on présente les hommages du Grand Sud. Disparition de John Frundi. Les hommages du Grand Sud sont donc présentés ce matin de la page 3 à la page 4 du journal Essingan de Sa Majesté Marie-Robert Elundu. Développement des collectivités territoriales décentralisées. Le MINCAF est le socle de la mise à disposition des terres. C'est la réaction du directeur des domaines au ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières, Roger Raoul Belibi, qui revient sur les enjeux des journées économiques internationales des communes qui se sont donc tenues ici à Yaoundé. On en parle de la page 6 à la page 7.
Mutation parle cacao et le journal Mutation s'intéresse au marché noir. Le gouvernement en branle face à l'exportation massive et frauduleuse des fèves du sud-ouest vers le Nigeria, laquelle fait perdre d'importantes recettes au trésor public et met à mal l'économie locale. Cette même actualité est à lire au journal L'économie de Thierry Ekouti qui nous amène également du côté du sud-ouest ce matin. Les exportations frauduleuses du cacao camerounais vers le Nigeria s'accentuent. C'est le constat qui est fait par le journal L'économie. Une situation qui impacte les industries locales de transformation qui n'arrivent plus à trouver la matière première nécessaire à la poursuite de leur activité et qui fait perdre à l'État des milliards de francs CFA. On nous fait donc savoir ce jour que les autorités administratives de la région sont appelées à prendre des mesures fortes pour mettre fin au phénomène qui monte de plus en plus. L'équation de Richard Bandol parle de retour dans les terres ancestrales. Les bananes saluent la clairvoyance de son excellence Paul Biya, à lire donc en grande une du journal L'Équation. Et si on retrouvait le triabdo le soir de feu Armand Bianda qui s'intéresse donc à cette coopération Cameroun-Qatar dans le secteur des transports. Le Qatar en prospection dans le marché de l'aviation civile camerounaise. Cette actualité nous est présentée ce matin en page 3. Et nous refermons cette revue de presse avec le journal Éco-Santé de Joseph Mengboum. Ce journal qui reste fidèle à sa ligne éditoriale parle donc des transfusions sanguines. La ville de Kribi a urgemment besoin d'une banque de sang. Le cri d'alerte a été lancé par le docteur Patrick Ngou, président de l'association Green Heart Cameroun et par ailleurs pédiatre à l'hôpital de district de Kribi au cours d'une collecte de sang lancée dans la commune de Lokoundje. Féminicide. Le Cameroun a enregistré environ 30 cas en 5 mois. Les données ont été rendues publiques par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille le 15 juin dernier. Donc c'était hier. Le journal Éco-Santé nous permet donc de le fermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsque vous faites le décompte, ça donne tout simplement ceci. 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal disponible à la maison. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Biya. Appelez-moi TVB si vous le voulez. Merci JBE, merci à votre panel. Merci également à nos téléspectateurs qui sont fidèles. Leur fidélité nous honore, elle reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable et inaliénable. Merci à vous très inamovible Théophile Vianney Biya pour cette brillante présentation des unes parues ce matin et qui nous donne l'obligation de nous rendre dans les kiosques pour nous en procurer et de comprendre la profondeur de ces informations qu'elle véhicule. Merci infiniment à vous. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça sans toutefois savoir à quoi s'attendre pour le 19-20h. 19-20h sur Info TV ce soir, il faut dire que le dernier contingent des fidèles musulmans qui se rendent à la Mecque pour prendre part au Hajj 2023, c'est ce dernier contingent de Yaoundé. Aujourd'hui, il est question ici de s'assurer effectivement que le quota a été respecté et que tous les musulmans qui vont à la Mecque vont dans de très bonnes conditions. Donc nos équipes sont sur le terrain pour accompagner ces pèlerins qui se rendent donc à la Mecque. Et c'est le dernier contingent qui part donc aujourd'hui. On parle également de cette autre actualité, on revient sur la journée de l'enfant africain pour présenter ici l'enfant africain de manière générale. Bel et bien, on parle de l'enfant africain sur le plan de l'éducation. C'est de voir au Cameroun le niveau d'éducation de l'enfant africain. On parle donc aux 19h et aux 20h ce soir sur Info TV. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. De quoi ne pas bouger d'un pouce. Exact. Merci infiniment pour ces nouvelles déjà croustillantes et qui vont nous faire rester, nous régaler pendant 19h, pendant le 20h également, devant nos petits et gros écrans pour regarder les éditions de journaux. Nous voulons vous souhaiter un très agréable bon week-end. Ça va se passer où? Ça va se passer entre deux véhicules, habituellement. En tout cas, merci. Bon week-end et à lundi. Bon week-end à lundi, Jean-Louis Fangonon. Bon week-end également à votre panel, ainsi qu'à vous, chers téléspectateurs, à lundi. Juste une petite transition.
merci une fois de plus à vous, très cher Théophile Vianney-Biya, pour cette revue de presse, la dernière sortie officielle de la semaine. Oui, nous allons essayer de commenter quelques-unes, notamment Info Matin, la nouvelle, et aussi Cameroun Tribune, qui nous rappelle que l'inauguration a été prononcée hier du côté de Douala pour l'inauguration officielle de ce centre, justement, de vidéosurveillance. Bernardo, Douala sous surveillance, c'est ce qu'on peut dire désormais. Bon, vous savez comment se passent les choses au Cameroun. Techniquement, c'est une belle initiative, il faut le reconnaître. Je pense que Yaoundé a inauguré le même centre en 2019. Donc, quelques années plus tard, c'est Douala, même si à Yaoundé aujourd'hui, on ne peut pas dire que les résultats sont satisfaisants. Parce que le taux de criminalité à Yaoundé a augmenté. Le taux d'enlèvement a augmenté, beaucoup d'abus, beaucoup d'excès, donc on se demande bien à quoi servent les caméras. Certains disent même que dans certains coins de rue, ces caméras ne sont plus fonctionnelles. Donc, de principe, ce qui s'est fait à Douala, ce qui s'inaugure à Douala, c'est de bonne aloi, c'est de bonne guerre. Mais en pratique, est-ce que la sécurité pourra être renforcée par ces mesures-là? Si c'est le cas dans le principe, dans la pratique, moi j'émets des réserves. Voyez. Donc, si jamais on me fait démentir en me faisant comprendre que voilà, ça marche mieux, ce serait bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de microbes à Douala qui font beaucoup de dégâts. On sait à peu près quels sont les quartiers dans lesquels ces personnes résident pour l'immense majorité. On ne met pas encore la main sur eux. Bon, peut-être qu'il y a une stratégie qui est mise en place derrière pour le faire. On espère que par les caméras, peut-être on aura des situations sociales un peu moins délicates. Donc, personnellement, satisfaisant dans le principe, mais dans la pratique, j'émets de grosses réserves. Centre national de vidéosurveillance Blériot-Niémec du côté de Douala, c'est, on va dire, ça y est, parce que le secrétaire général à la présidence de la République ainsi que le directeur général de la sûreté nationale y étaient pour l'inauguration officielle, comme je l'ai dit avec Bernardo, Douala désormais comme Yaoundé sous surveillance. Oui, mais ça a été déjà très attendu. Douala est plus criminogène que Yaoundé. Et il était important, ou il est important que Douala soit sous surveillance. Il faut dire aux gens qui sont venus des villages qu'en ville, il y a les caméras. Si, c'est très important. Il faut que les gens qui sont sortis de leur village sachent qu'en ville, il y a les caméras. On surveille les gens. On ne fait pas n'importe quoi en ville. Vous voulez faire la sorcellerie, vous rentrez au village. Donc, en ville, il y a les caméras. Il a évoqué un pan de l'insécurité à Douala. Ces petits bandits venus des pays voisins souvent, qu'on appelle les microbes. Je crois que cela peut permettre d'anticiper. Sauf qu'à Douala, le constat que nous faisons, c'est que les populations de Douala croient que l'État n'existe pas. Quand vous arrivez à Douala, même si on dit que la police et autres, nous, on ne connaît pas. C'est ça, Yaoundé là-bas. C'est vos choses de Yaoundé là-bas, ici. On cherche l'argent, tout le monde. Les gens sont indifférenciés, c'est comme ça qu'on dit ça. Il faut donc remettre Douala sur la sellette. Il faut mettre Douala sous un mode de sécurisation parce que c'est quand même aussi une entrée très importante dans notre pays. C'est le littoral avec tout ce que ça comporte. Il ne faut pas que les gens entrent à Douala et au Cameroun n'importe comment. Il faut informer aussi les malfrats de ce qu'ils sont sous surveillance parce que la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Alors, les gens qui faisaient n'importe quoi doivent savoir qu'on peut les repérer très facilement. Il faut que ça fonctionne. J'ai visité souvent celui de Yaoundé. Contrairement à ce que disait Bernardo, on a beaucoup d'images. Parce que c'est la question par laquelle je voulais chuter. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le résultat est négatif? Non, on a beaucoup d'images. Sauf que elles s'utilisent à géométrie variable, ces images-là. Essayez d'assassiner un policier à Yaoundé, on vous retrouve dans les deux jours qui suivent. Bon, mais si vous tuez un pousseur, un monsieur lambda, bon, les gens ne se croient pas obligés de mettre la même diligence, n'est-ce pas? C'est ce qui est regrettable, mais tout ça c'est l'effet de corruption. C'est-à-dire que des services qui devraient être rendus à la population, on les marchande. Vous avez par exemple le principe avec les compagnies de téléphonie mobile, du traçage des téléphones et autres. Mais vous allez vous plaindre, on vous a volé un téléphone, on vous soumet encore à des choses, il faut donner de l'argent, il faut faire ci.
Alors que, en collaboration avec MTN Orange, Camtel et autres, la police et la gendarmerie peuvent très facilement mettre sur pied des systèmes qui permettent de tracer ce genre de choses. Aussi facilement. Bon, mais on a l'impression que chez nous, les choses faciles se complexifient toujours. D'accord. N'oubliez pas aussi que concernant les caméras installées à Douala, il y a un risque qu'elles soient volées. Hein. Avant, on contrôle les voleurs. Mais les voleurs peuvent les voler. Donc, il faut encore d'autres caméras qui vont surveiller les caméras de surveillance. Il faut des caméras officielles et des caméras officieuses. D'accord. Pour protéger celles officielles. Comme ça, celui qui vient voler, on l'attrape. Okay. Parce que ces caméras, pour beaucoup, elles seront volées. Vous allez voir. On a compris. Nous rappelons que c'est pratiquement 7000 caméras qui doivent être comme ça placées au Cameroun et surtout dans les métropoles. Bon. Métropole, dans les grandes villes. Dans les grandes villes de notre pays. Merci déjà pour cette analyse. Je me retourne vers vous, Nelly et Kevin. Nous avons également d'autres presses, celles-là qui nous ont parlé, notamment le messager La Voix des Jeunes Popoli, qui nous ont rappelé justement cette tragédie que nous avons essuyée hier, le départ de Nandip. Je commence par vous. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que Cabrel est décédé? Ça fait mal. Ouais. C'est vrai, on ne se connaissait pas personnellement, mais quelqu'un que tu admires dans les réseaux, par son travail bien sûr, tu apprends qu'il est décédé d'un accident de circulation, ça fait mal. Une nuit très longue jusqu'ici, parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense, comme c'était le maître du buzz au Cameroun, si je peux dire, jusqu'ici, je me dis, je vais me réveiller, on va me dire que ce n'était qu'un buzz. C'était un buzz. Mais malheureusement, c'est la réalité, il est parti. Et je souhaite que son départ soit comme une prise de conscience chez nous, les jeunes, les jeunes influenceurs. D'accord. Et on doit savoir que la route tue. Ok. Elle tue. Merci. Vous, Nelly, vous êtes cette dame-là qui a une connaissance bien propre de l'homme dont nous faisons allusion, qui malheureusement nous a quittés, Cabrel. Nelly, aujourd'hui, on parle de lui au passé. C'est juste incroyable, parce que jusqu'à présent, j'arrive pas à croire qu'il est décédé. Vu que tout le temps il faisait des buzz, tout le temps, il a eu à faire un buzz qu'il était mort. C'était sorti, il avait fait un buzz qu'il était mort. Et c'était pas vrai. Et je me rends compte que les internautes utilisent ça pour faire le buzz. Ils utilisent ça parce qu'ils disent qu'ils pleurent, qu'après ils ne pleurent pas. Quand on pleure, on ne se filme pas. Ouais. Et j'ai vu sa vidéo, le monsieur qui l'a retiré dans la voiture, en le retirant, au lieu de le soutenir, le monsieur lui prend le téléphone pour filmer. C'est ça mon problème, en fait. Parce que sa soi-disant copine que le net connaît, que c'est sa copine. Ah, ce n'est pas sa copine réelle. Ce n'est pas sa copine réelle. D'accord. C'est le net qui connaît. Les réseaux sociaux qui connaissent que Moine Minga, c'est sa copine. Moi, j'ai été dépassée quand elle a fait un live en pleurant. J'ai même commenté que maman, tu pleures le corps. Elle a insulté tous les Camerounais. Fais le buzz. Pendant. Elle oublie qu'elle est aussi Camerounaise. C'est ça le problème. Donc, c'est mon frère Baranti déjà, je suis une fille Baranti. Je suis Baranti Mvelu. Oui, je m'appelle Chan Chundaya Nelly Flo. Mon nom des réseaux sociaux, c'est The Hand of God, la main de Dieu. Je ne influence personne et je ne vais influencer personne. Vous ne voulez pas être influenceuse? Non. Déjà, je suis une femme mariée, donc mon mari n'aime pas les choses comme ça. Peut-être c'est parce que vous avez votre époux qui n'aime pas les choses comme ça, comme prendre dans vos expressions. Non, c'est pas parce que je n'aime mon époux, c'est parce que moi-même d'abord, je ne veux pas être influenceuse. Pourquoi? Parce qu'avant d'être ce que je suis d'abord une bonne petite villageoise. J'ai grandi au village, oui. Donc moi, je n'aime pas le « m'as-tu vu ?» J'ai fait ça, comme le monsieur a dit tout à l'heure. Alors, vous qui êtes justement dans cette logique-là, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous dire quoi? Les pleurs de cette dame, Moine Minga, c'était les pleurs des réseaux sociaux, c'était pas les pleurs... Oui, c'était les pleurs des réseaux sociaux. Ah, ok. Parce que tu ne peux pas pleurer un homme que tu as soi-disant aimé. Tu prends la caméra, c'est pas que quelqu'un tient la caméra, c'est toi qui tiens la caméra. Le téléphone est s'éteint, tu rallumes. Mais c'est incroyable. Tu ne pleures pas Cabrel, c'est ce que moi je dis en fait. D'accord, merci pour vos réactions à propos. Mesdames et messieurs, nous marquons juste une courte pause, le temps d'accueillir la dénonciation de ce matin.
la dénonciation, c'est une affaire de Bernardo Basson. Tous les matins, il nous apporte beaucoup d'informations pour lesquelles nous devons apporter aussi beaucoup de solutions. La dénonciation de ce matin, Bernardo, c'est quoi? La dénonciation de ce matin est particulièrement triste pour moi. Ah. Parce que j'en avais une autre, mais on m'a informé de quelque chose il n'y a pas longtemps que j'aimerais dénoncer. Lorsqu'on était plus jeune, nous, on avait des jeux de divertissement. Parfois, on jouait aux cartes, parfois on jouait aux billes, etc. Mais on se rassurait quand même, pour nous qui étions très proches, de ne pas y mettre de l'argent. Parce qu'une fois qu'on met de l'argent, les sensibilités changent. Parce que tout le monde veut gagner. Et donc, un proche à moi, vraiment avec qui j'ai grandi à Douala, est décédé hier. Il a été poignardé parce qu'il jouait les cartes avec un autre ami à lui dans un salon de coiffure et ils se disputaient 1500 francs. Et donc, mon ami en question, dont j'étais le prénom par respect pour sa mémoire, a, on va dire, gagné la partie. Et son ami en face n'a pas voulu payer. Et donc, ils se sont échauffés, les voix se sont élevées, la colère a pris le pas. Et puis, l'un, dans son salon de coiffure à lui, a pris des ciseaux et puis un couteau. Et il a poignardé l'autre qui a fini par décéder sur la route de l'hôpital. Donc, personnellement, ça m'a profondément choqué. Une fois de plus, il faut interpeller les jeunes sur des questions de jeu d'argent. Parce que ça se termine souvent très mal quand on n'a pas une bonne maîtrise de ses émotions. Donc voilà, j'aimerais que ce matin on en parle pour sensibiliser les jeunes à l'effet de leur faire comprendre qu'il faut vraiment faire attention à ces jeux-là. Votre ami, il était coiffeur lui aussi ou bien il est allé se faire coiffer? Oui, il est allé se faire coiffer hier soir. D'accord. Et après... Mais il avait l'habitude... D'aller aussi pour quelques séquences de jeux. Oui, de jouer à ces jeux-là. Personnellement, quand j'étais plus jeune, ça me valait beaucoup de reproches de mes amis parce que la seule bêtise, le seul jeu que j'ai fait... de façon plus ou moins poussée, était le football. Parce que j'aimais beaucoup le football. Mais moi, les jeux de cartes, les jeux de billes, les jeux où on mettait de l'argent, les dés à l'école, moi, je ne jouais pas à ça. Mes camarades me regardent, moi, je ne jouais pas à ça. Je n'aimais même pas ça. Je me disais que quand il y a l'argent, parfois, ça change. Du coup, je jouais avec mes frères à la maison, mais sans argent. Même quand un ami disait, mettons, 500, moi, je ne mettais pas. Oui, donc ça finit souvent très mal. Et voilà un cas. C'est pas un cas isolé. Ça arrive régulièrement. Loin d'être un cas isolé. Voilà que ça nous marque, ça nous touche, ça nous frappe. Et nous sommes véritablement choqués d'apprendre que, surtout, c'est votre ami qui est parti. Mais je voudrais prendre l'avis de Nelly. Voilà la dénonciation de ce matin. On parle des jeux de hasard, mais surtout qui vont s'amplifier avec les mises financières. Voici que nous avons un Camerounais sous le carreau. Votre point de vue sur la situation? En fait, je ne sais même pas quoi dire. Vu déjà qu'il est parti, paix à son âme, d'où il est allé. Il vient de perdre son enfant. Et maintenant, quand il a perdu son enfant, on a dit qu'il avait vendu. Maintenant, ma grande surprise, c'est que lui aussi, il s'est aussi vendu. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il s'est vendu lui-même aussi? Vous êtes sur Cabrel, là? Oui, je suis Cabrel. Ouais. Et là, nous avons une dénonciation qui parle des faits, des jeux de hasard. Quand moi j'étais tout petite, moi je jouais aux boîtes, je jouais aux cartes, aux cochons grattés, pour précisément. Quand on a commencé à mettre les choses de 25, 100 francs, 50, ma mère nous a interdit déjà, parce que nous sommes des femmes, de jouer aux jeux de hasard. Donc je peux parler de ça par rapport à mon grand frère. Oui. Parce que mon grand frère, lui, a joué dans les jeux de hasard qu'il a même amené à Kondengi. Okay. Donc ce sont des choses que... Je ne vais pas demander à voir mon enfant en train de jouer. Le problème est que l'argent influence. Le problème, c'est l'argent. Ça influence. D'accord. Quant à vous, Kevin, Paris, Kevin. Oui. Déjà, paix à son âme. Je ne vais pas dire quand j'étais petite, parce que je suis encore petite, je n'ai que 24 ans. Mais quand j'étais plus adolescente que... aujourd'hui. Moi, j'aimais plus jouer au Ndoshi. Déjà, je suis la seule chez ma mère. J'ai quatre frères. Mais je jouais avec mes frères. Ndoshi. Oui. Et aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que font les parents. Que font les parents? Oui, que font les parents? Parce que ma mère, elle a 45 ans. Mon grand-frère, 29 ans. Et je me rappelle quand mon grand-frère était au lycée technique de Mbalmayo,
même s'il n'a rien fait, si elle voit seulement une convocation, mon grand frère faisait terminale, elle vient te bastonner au lycée. Tout commence à la maison quand ton enfant commence à te dire « Maman, je lave les assiettes, tu me donnes combien ? Je fais ci, tu me donnes combien ?» Tout ça commence à la maison. Mmh. Et si on coupe ça à la maison, l'enfant ne va pas sortir avec cette histoire d'aller miser de l'argent sur un jeu et tout. Mmh. C'est vraiment triste et c'est très récurrent de nos jours. Tu vas arriver, même derrière les églises, les enfants qui jouent aux jeux au hasard, c'est très triste, mais il faut que les policiers, les gens qui doivent mettre de l'ordre dans notre société, mettent l'accent sur ça. On t'attrape avec des cartes, en train de jouer aux cartes avec tes amis, même si tu n'as pas misé de l'argent, on te met d'abord dedans avant de connaître ce que tu faisais et pourquoi. Mmh. C'est un peu mon avis là-dessus, même si ça ne va pas résoudre grand chose, mais je pense que pour qu'on arrive à résoudre ce problème, il faut déjà frapper le bras sur la table, en commençant par les parents, et ensuite les enseignants à l'école. Merci, Abiril Miemek. Voilà une dénonciation assez choquante parce que c'est un ami à Bernardo. Ils ont grandi ensemble, mais aujourd'hui, il nous a malheureusement précédé après une phase de jeu au hasard. Et le jeu de hasard, et maintenant, c'est pour une somme de 1500 francs CFA seulement. Ce n'est pas la somme qui est importante. Non. C'est l'idée qu'on peut gagner de l'argent sans travailler. C'est du voyoutisme. Même si c'est l'ami de Bernardo, ça n'enlève rien. C'est un voyou. Un voyou qui est mort. Donc vous avez beaucoup de voyous au quartier qui, au lieu d'aller faire les chantiers, faire autre chose pour gagner de l'argent, développent cette forme de mafia. Ouais, des enfants partout. Moi, j'ai grandi dans un quartier très difficile, je voulais Mvogada. Mais partout, les enfants sont en train de jouer, en train de parier de l'argent. C'est du voyout, c'est du banditisme. Ça ne peut que se terminer très mal. Il faut dire, c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. L'argent n'achète pas l'argent. On ne vient pas, on se met là, on dit celui qui va gagner, non. Il vous l'a dit, moi je suis de formation assez religieuse depuis l'enfance. Donc du coup, je ne mets même pas les jeux de hasard en général. Je supporte moins les jeux dans lesquels les gens déploient beaucoup d'émotions. Ce qui veut dire que même au niveau du ludo, quand quelqu'un commençait à suggérer l'idée de parier, j'estimais que ce n'est plus un jeu auquel je devais participer. Parce que le but du jeu, c'est de s'amuser. Oui, le jeu. Ouais. Dans sa définition. Le but du jeu, c'est de s'amuser. Quand les enjeux deviennent grands, ce n'est plus le jeu. C'est pour cela que vous voyez que le football et autres, ce n'est plus des jeux. Ce n'est plus des jeux. Et les grands les trucs que vous avez là, les paris, ceci, paris, c'est ça, ce n'est pas des jeux. Les gens meurent. Bien sûr. Il y a des gens qui vendent toute leur fortune pour espérer en gagner. Il y a de l'escroquerie. Tout jeune, je voyais ce jeu que vous appelez jeu de cartes. Et je voyais comment des femmes qui allaient pour faire le marché simplement se retrouvaient en train de parier l'argent du marché. Ah oui. Une époque, un style de jeu avec les boîtes d'allumettes. Voilà, les boîtes d'allumettes. Tourner le genre. Alors, voyez le niveau de conscience d'un individu qui vient se tenir et estime que des gens sont partis de chez eux avec beaucoup d'argent pour venir distribuer dans un marché. C'est idiot. Ce n'est pas possible. Alors, ils s'entendent. Qu'est-ce qu'ils font, sérieusement? Ils viennent avec les copains et les coquins. On s'entend, je fais gagner Nelly qui est avec moi dans le jeu, ainsi de suite, Basson. Et Fangono qui tombe dans le piège, il se dit, oh, naïf de tous ceux qui parient là sont en train de gagner. Mais pourquoi pas moi? C'est l'occasion. Si je venais acheter 1,5 kg, c'est l'occasion de rentrer avec 5 kilos. Alors, toute escroquerie vient de l'idée que vous pouvez gagner les choses facilement. Oui. Facilement. Quelqu'un qui est discipliné de ce point de vue passe sa route. Madame, venez ici, vous allez gagner. Tu dis, mon frère, pardon, moi je n'aime pas gagner de l'argent. Mais alors, ceux qui aiment la facilité, ça se termine de cette façon. Mais j'ai vu des gens, des enfants incapables de rentrer à la maison fugués
parce qu'ils avaient égaré l'argent des parents. J'ai vu des femmes, j'ai connu une dame très importante qui est devenue infidèle à son mari, tout simplement parce qu'elle avait perdu de l'argent dans un pari. Il fallait maintenant qu'elle se soumette à ci ou ça pour régler les problèmes du foyer. C'est-à-dire qu'elle est allée à la maison. Mais il faut ajouter aussi que certains d'entre eux utilisent des produits hypnotisants. C'est-à-dire, vous avez entendu ces histoires où un enfant entre à la maison, il ramasse des bijoux de tout le monde, il ramasse les téléphones portables, il sort et il s'en va remettre à un monsieur. Il faut éviter des conversations liées aux bénéfices avec les inconnus. Il faut, vous entrez dans un taxi, quelqu'un commence à parler, l'argent a fait, n'écoutez même pas. Oui. Ne vous mêlez pas de ce genre de conversation. C'est du banditisme. Dès que votre oreille commence à être sensible à ce genre de choses, vous êtes déjà dans la posture de Ève au jardin d'Éden. Ça va se terminer comme ça s'est terminé au jardin d'Éden. C'est-à-dire que vous serez chassé du jardin d'Éden et la malédiction va peser sur vous. Quelqu'un commence à dire, vous voyez même le monsieur qui dit qu'il multiplie l'argent. Mais mon frère, si quelqu'un multiplie l'argent. Toi-même, tu n'as pas cette. Non, si quelqu'un multiplie l'argent, il vous demande 100 000 pour vous donner 500 000. Si vous avez suffisamment de force, dites-lui seulement, mon frère, donne-moi seulement les 400 000 de dessus, laisse ça. Là, tu restes avec le. Pourquoi? Est-ce que, pourquoi je dois d'abord. Mais vous voyez, on est suffisamment naïf. Et même des personnalités. Je connais un général de l'armée camerounaise qui s'est fait escroquer dans cette affaire de multiplier de l'argent. Général? Tout un général. Wow. Vous imaginez? Non, c'est une façon de fonctionner du cerveau. Mm. C'est-à-dire que vous commencez à imaginer des choses. On lui a dit qu'on va lui donner 200 millions s'il met 20 millions. Mm-hmm. Mais on est parti avec les 20 millions du général. Vous pouvez imaginer ça. Il y a toute une, mais qu'est-ce que c'est toute que une entreprise qui a été mise sur pied tout récemment. Ici à Yaoundé, je vais taire le nom, et ça a emporté beaucoup de jeunes dans leur pouvoir financier. Bien évidemment, ce genre de réflexes, ce sont des mauvais réflexes. L'argent s'obtient par le travail. L'argent ne s'obtient pas par ce genre de magouille. D'accord. Et puis bon, il est mort, je crois que son compagnon de jeu va retrouver New Bell pour un temps. Là-bas, New Bell, il va davantage jouer. Parce qu'il y a, c'est là-bas que là-bas, ça se joue en vrai. Là-bas, ça se joue en vrai. Donc, de toutes les façons, quel que soit le type de mort, on souhaite souvent que l'âme repose en paix. Ouais. Bon, mais la terre des ancêtres n'est pas légère. Vous voyez, moi, je ne peux pas accepter. Parce que quand vous voyez comment on enterre les gens chez nous avec beaucoup de terre qui tombe sur le cadavre, le cercueil. Par moment, même, on vient couler. Ou on coule les dalles, c'est lourd. Ouais. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas accepter mourir pour le jeu de hasard. Ce n'est pas vous qui acceptez. Vous ferez de l'addiction. Dès le moment où vous commencez à faire ce genre de choses, vous allez en faire de l'addiction. Vous ne pourrez plus vous retenir. Ouais. Parce qu'en fait, on appelle cela dans les jeux la chance du débutant. N'est-ce pas? Oui, si vous entrez dans un jeu, même avec les voisins, vous avez beaucoup de chances de gagner. Au début. Ça attise donc quelque chose en vous. Vous commencez à croire que vous avez une étoile de gagnant. Vous pouvez toujours gagner. Voilà, vous dites que non. Hier, je suis parti avec 500, je suis rentré avec 5000. Alors, vous avez déjà votre programme de vie. Vous sortirez chaque fois et vous rentrerez avec de l'argent. Mais c'est le testament à Bitibia. Voilà. Une fois que vous faites déjà de l'addiction, vous revenez à la maison dire à votre femme que le téléviseur, il est parti, parce que ainsi de suite. Donc, c'est infernal. Oui. Il ne faut même pas commencer. D'accord. C'est vrai que c'est lourd, hein, Bernardo, de parler de son ami qui nous a quittés. Mais au fond, vous voulez dénoncer justement les jeux de hasard pour que les Camerounais ne tombent pas dans ces pièges. Et vous avez eu la lecture, sinon l'analyse de Blériot tout à côté de vous. Mais quelqu'un a aussi évoqué un pan, notamment Paris Kevin, c'est celui des forces de l'ordre, le pouvoir étatique, qui jusqu'ici semble jouer à la sourde oreille sur la situation. Parce que les jeux de hasard, on en trouve presque partout. On a voulu parler des maisons de Paris et autres, et bien d'autres styles de jeux que nous avons dans notre État, dans notre pays. Elle ne peut pas vraiment invoquer l'assistance des forces de l'ordre jusqu'à une certaine mesure, parce qu'au Cameroun, il y a une réglementation qui encadre effectivement les jeux de divertissement et les jeux de hasard. Il y a des textes de loi qui les encadrent, c'est-à-dire
l'âge des personnes qui devraient y prendre part, les lieux d'établissement, les structures qui proposent des jeux de hasard, etc. Au Cameroun, c'est encadré légalement. Donc, c'est plus une lecture sociale qu'il faudrait avoir. Premièrement, il y a une sagesse béninoise qui dit « Ne te laisse pas lécher par ce qui peut t'avaler. » vous voyez subtilement ce qui veut se dégager de là. Il y a un appât qui est manifesté par ces jeux. La deuxième chose que je voudrais dire, je l'ai apprise des Tibétains, c'est que on arnaque ou alors on abuse financièrement dans la plupart des cas de ceux qui ont ce qu'on appelle le gros cœur ou les longs yeux. Généralement, on abuse ou on vole, on escroque, on arnaque entre guillemets ceux qui ont les longs yeux. Longs yeux, c'est donc celui qui veut tout gagner très vite. La troisième chose, je vais la dire quand on va aborder la thématique centrale, mais je voudrais quand même interpeller les plus jeunes et les moins jeunes à faire attention à tout ce qui touche à l'argent. Parce que l'argent est une modalité qui modifie drastiquement le comportement de l'homme, selon qu'on le gagne ou selon qu'on le perde. Donc aujourd'hui, il faudrait que les parents soient davantage vigilants et les jeunes davantage conscients de ce que ces jeux de hasard peuvent très mal se terminer. Voilà un jeune Camerounais banquier qui est décédé comme ça. Parce que ce n'était pas tant pour les questions financières qu'il est allé... Il était banquier. Oui, banquier. C'était plus pour des questions de passion. Donc, Julien me disait hier encore au cours d'une émission que c'est ce que tu aimes qui va te tuer. Vous allez souvent voir des personnes d'un certain âge qui, malgré leurs revenus, vont quand même se laisser aller au jeu des cartes, etc. Ils mettent beaucoup d'argent parfois, ou au jeu des dés. Moi, je voyais mes camarades jouer ça au lycée. Bon, c'est pas tant l'argent qui est cherché, c'est plus la passion autour de ces jeux-là. Et comme c'est ce qu'on aime qui nous tue, alors on va regretter, c'est vrai, leur mort en leur demandant quand même de mettre leur mort, leur sacrifice à la disposition de ceux qui devraient apprendre de ce genre de conséquences. Est-ce que quand on est banquier, on a forcément encore envie d'aller miser? C'est pourquoi je dis, en principe, vous allez utiliser votre raison. Mais le fonctionnement du psychisme humain n'est pas composé que de raison. Donc, il n'y a pas que la raison dans l'esprit humain, il y a d'autres éléments. Par exemple, il y a ce qu'on appelle il y a des troubles. Il y a des troubles unipolaires, il y a des troubles bipolaires qui font en sorte que l'individu fasse naître en lui, ou alors voit naître en lui des comportements compulsifs. La compulsion, c'est le désir ou l'inclinaison à satisfaire de manière irrésistible un besoin, bien qu'on le sache pertinemment que ce besoin-là est irrationnel et inutile. Mais on est tellement habité par une passion et par une force qu'on va le satisfaire. C'est un peu comme celui qui a l'habitude, comment je peux dire ça, de se... Ça peut être un peu plus grave, peut-être de se droguer. Vous voyez, il y en a qui sont pertinemment informés de ce que la drogue, c'est mauvais. Mais à force de pratiquer l'élément, à force de prendre la drogue, on devient addict. Et donc, ça devient compulsif pour nous. Donc, c'est beaucoup plus complexe que cela. L'esprit humain n'est pas que raisonnable. D'accord. Quand j'ai posé cette question Paris Kevin, c'est celle de savoir quand on a un certain seuil de vie, notamment banquier, est-ce qu'on est obligé d'aller miser? Mais quand je pose la question, c'est parce qu'il pouvait également, parce que emporté par l'envie de jouer depuis l'enfance, il pouvait appeler peut-être un ami pour dire, bon, on joue, ça reste le jeu. Quand je parle de ça, j'insiste là-dessus, c'est parce que il pouvait donc écarter la mise et jouer simplement à ce jeu qu'il affectionne depuis son enfance. Oui, mais malheureusement, il a misé. Et n'importe qui, même un citoyen lambda ne va pas aimer qu'on blague avec son argent. Donc, du coup, c'est arrivé et on ne peut que pleurer son départ. D'accord. Bonjour à la team, bonne émission. Sachez que vous avez à côté de vous un prophète au nom de Blériot. Tout ce qui sort de sa bouche est positif. C'est un messie. Quand il parlait il y a au moins un mois que tous ces influenceurs vont disparaître, on n'a pas cru. Et maintenant, on voit d'ailleurs chaque fois qu'il parle, j'ai la chair de poule car il prédit même le futur. Courage, c'est Valérie Ntep qui nous écrit ce matin. C'était la première réaction du jour. Bonjour à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Saluez-moi les filles qui sont sur votre plateau, c'est fait. Bonjour monsieur, tout le monde
qui est dans ce panel. Je vous salue. Espace Miné est une émission pédagogique et même républicaine depuis quelques jours. Je n'arrive pas à appréhender la quintessence des thèmes et des débats qui en découlent. Je vous prie très respectueusement de nous ramener au débat très élevé d'antan. Merci et bonne journée. Merci également pour votre point de vue qui ne sera pas balayé du revers de la main. Voilà. D'autres réactions, c'est Fred qui nous écrit. Ces histoires de jeux de hasard tournent toujours à la catastrophe, surtout quand il faut parier de l'argent. Lorsque tu mets déjà à cœur de parier pour de l'argent, en espérant gagner facilement, ça tombe souvent dans le sol, que ce soit chez les parents ou chez les amis. En dehors de ça, il y a un phénomène d'emploi à distance sur les réseaux sociaux qui stipule que vous gagnez de l'argent à distance juste en copiant et en collant des textes dont on ne connaît pas les contenus. Cette histoire est une addition. Addiction, la seule manière de gagner de l'argent sur cette terre est de travailler justement et farouchement. Tout ça, ce sont les œuvres du diable et ce n'est pas pour rien que les structures de paris sportifs sont nées. Tout ça, c'est la facilité d'avoir de l'argent sans effort. C'est Fred Warren depuis la nouvelle route Omnisport qui nous a écrit ce matin. Bonjour à tous sur le plateau. La dénonciation du jour, le jeu fait partir de la jeunesse. Mais il faut savoir quitter les choses. Moi, j'ai joué à la carte au damier. Ma famille n'était pas au courant jusqu'à où j'ai atteint 25 ans. J'ai laissé tout et je suis devenu téléspectateur de temps en temps depuis longtemps. Je ne passe même plus sur cette route. Lorsqu'on aime quelque chose, la chose pourra vous tuer finalement. C'est un téléspectateur qui nous écrit mais qui a oublié forcément de signer son message. Bonjour à vous, les démineurs. Excusez le peu, mais je pense que le casting nous fait un petit problème aujourd'hui. Émission très écoutée, merci et bonne journée. Nous prenons en compte toutes vos déclarations hein, parce que c'est aussi ça qui construit la nation. Bonjour le plateau, il est mort parce que les jeunes vraiment être riches à tout prix, voilà les conséquences. Et après, les gens viennent accuser la route influenceuse n'est pas un métier ou influenceur. En plus, Paris Kevin n'est pas un nom camerounais. C'est François de Cali 2 qui commence par vous attaquer comme ça directement. Bonjour à tous. Posons-nous cette question. Pourquoi le pouvoir en place laisse les jeux de hasard prospérer dans notre environnement? Bon début du week-end à vous. C'est Hilaire de Niga qui nous écrit. Vraiment le monde. Non, ce message a déjà été lu. Ça a déjà été lu. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Fangon, bonjour pour la dénonciation de ce jour et l'actualité de la vie facile. D'une part, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. D'autre part, le devoir individuel d'élévation de l'âme oblige à s'éloigner de la cupidité. Pour finir, comme on fait son lit, on se couche. C'est Blaise Sida de Yaoundé qui était là pour la dernière intervention. Blériou Niemek, je reviens vers vous. Quand on a parlé des jeux de hasard qui finissent par emporter les nôtres, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Quand j'ai évoqué tantôt justement le rôle des pouvoirs publics qui doivent réguler, mais il y a quelques jours encore, je posais la question sur la consommation des stupéfiants. C'était peut-être sur un autre plateau. Un des téléspectateurs m'a fait comprendre que, attendez, monsieur Fangonum, j'ai un cas où nous connaissons dans notre quartier là où on prend ces choses-là. Et un monsieur qui est commissaire est allé à N fois pour essayer de faire basculer les choses. Mais sauf que, arrivé devant, il a été buté par le plus fort que lui. Oui, ben, toute société est régulée par le vice. Il y a une portion de vice qu'on laisse dans une société pour empêcher que les fous ne se déshabillent tous. La consommation des stupéfiants ou des drogues dures est régulée dans toute société. On laisse les gens, certaines personnes le faire dans certains milieux. Mmh. Toutes les sociétés fonctionnent comme ça. C'est le vice. En fait, la plupart de ceux qui font de l'addiction à ces choses sont des malades sociaux, des psychopathes qu'on ne peut pas soigner ou qu'on n'a pas prévu de soigner.
On les laisse donc utiliser cela, on appelle ça en psychologie, comme des exutoires. Tout à fait. Beaucoup de jeunes, par exemple, qui n'ont pas d'emploi. Quand vous ne pouvez pas changer le monde dans lequel vous vivez, vous vous créez un monde artificiel dans lequel vous rêvez. Vous avez vu le petit là qui disait qu'il a 250 millions. On va parler maintenant des... Qui a 250 millions dans son compte. Il est déjà fou. Mais en leur disant même déjà, moi j'avais compris qu'il était déjà sur la route de la folie. Parce qu'avant lui, les gens qui ont eu 250 millions dans leur compte n'ont pas eu besoin d'informer qui que ce soit. Donc, on les laisse prendre des drogues aux États-Unis, c'est plus grave. Sauf qu'il y a une proportion qu'il faut garder. Je me résume en vous disant que nous avons beaucoup de psychopathes, on les gère d'une certaine façon. Maintenant, le commissaire qui a buté sur plus fort que lui, je crois qu'il n'a pas bien fait son travail. Il n'a pas bien fait son travail. Je ne connais pas le détail de l'histoire, mais moi, je ne vois pas comment un commissaire devrait buter sur plus fort que lui lorsqu'il applique la loi. Lorsqu'il applique la loi. La loi interdit la consommation des stupéfiants. Plus fort que lui signifie quoi? Si on vous attrape, on suit la procédure normale. Quand vous, maintenant, vous pouvez être connecté à tel ou tel. Toujours est-il que la loi peut prendre le dessus lorsque le travail est bien fait. Merci déjà pour cette lecture. Je prends ce message avant d'aller faire plaisir à nos partenaires pour leurs différentes annonces. Nous prenons ce message qui me semble un peu long. On va commencer depuis le début. Bruno, dans ce vestimentaire raffiné, iras-tu devant Monsieur le maire aujourd'hui? Non. Blériot, ce week-end, dans la jouissance de bonnes agapes nutritionnelles à petit, où se trouve ma colombe Olivia à m'influencer de par son visage d'ange. Des vidéos de surveillance dans un égarement visuel à APC Nangaboko qui dérobe de paisibles citoyens de lourds objets précieux à la poste centrale, non loin de ma résidence. Nelly, la beauté divine, quand on dessine le diable sur le mur, il finit par rentrer dans la maison. Quelle triste fin dans des jeux d'argent que je n'apprécie point, même dans le flipper, ma passion. Massoc Thomas est l'auteur de cette participation. Juste une petite virgule, le temps de faire plaisir à nos partenaires, et on revient sur ce plateau. Retour sur le plateau de votre programme Espace Miné. Nous allons prendre le tournant final de votre programme ce matin. C'est quand nous ouvrons directement la page qui contient justement la thématique centrale de ce matin. Nous nous interrogeons sur la vie de ce que nous avons appelé depuis un certain temps les influenceurs. Cameroun, que se passe-t-il avec nos influenceurs? Je vais commencer par vous, très cher Paris, Kevin, influenceur. Bon, c'est vrai, on voudrait même d'abord revenir là-dessus. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez mis dans le paquet d'influenceurs? C'est quoi? Influenceur, comme ça s'entend, ça veut dire influencer les gens sur ce que tu fais, ta façon de vivre, ou même si tu vis mal, tu influences. Nos parents nous influencent, vous m'influencez, le public m'influence. Donc, je veux dire, influenceur, c'est juste
une façon de vivre qui impressionne certaines personnes, en fait. C'est D'accord. C'est un peu ma, mon idée. Alors, d'une manière générale, quelle est la lecture que vous faites des influenceurs, que vous êtes les influenceurs du Cameroun? Qu'est-ce que vous, vous collez comme lecture de vous? Bon, déjà, je vais répondre à l'un de vos téléspectateurs. Mon nom, c'est Asomo Kevin. Je suis Chiboule de Sarmelimant. Donc, Paris Kevin, c'est mon nom d'artiste, d'actrice, je peux dire. Maintenant, votre question, s'il vous plaît. La question, c'est, d'une manière générale, votre lecture sur la vie, l'influenceur camerounais confondu. L'influenceur camerounais vous donne ce que vous demandez, ce que vous voulez. Mmh. On a constaté qu'il y a un style de personnes qui aiment la vie du rêve. Et certaines personnes se contentent à vous vendre un rêve. Une vie même, eux-mêmes, ils ne vivent pas, en fait. Et c'est un peu triste pour nous, nous jeunes, parce que un jeune va se connecter sur Facebook, TikTok, il va voir, par exemple, Paris Kevin dans une voiture qui n'est même pas la sienne. Et on ne sait même pas si elle mange 3 fois par jour. Et toi, derrière, tu vas dire, je veux vivre comme elle. Non, c'est pas ça la vie. Et c'est triste parce que nos plus jeunes sœurs et frères sont en train de prendre un très mauvais exemple. Quand moi je grandissais, j'avais les idoles comme les Folies d'Iran, les Matt Zambo, les journalistes, les grandes personnes. Genre, tu connais, tu vois ce que, comment quelqu'un influence positivement la société. Mmh. Mais maintenant, on a les petits frères qui ont les idoles. Vraiment, tu te demandes, celui-ci a accompli quoi dans la vie? Mais toi, tu veux vivre comme tel. Et pourtant, on a nos influenceurs à la maison, nos parents. Nos parents sont nos grands influenceurs. Mmh. C'est un peu ma vision de la chose, en D'accord. fait. Nelly, vous ne voulez pas vous faire confondre dans la liste des influenceurs, mais vous êtes quand même, vous aussi, sur les réseaux sociaux, vous y dormez pratiquement. C'est parce que vous avez votre époux que vous avez aussi continué à accepter ne pas être qualifiée d'influenceuse. Mais on parle aujourd'hui justement des influenceurs. Quel est le regard d'une manière générale que vous posez sur les influenceurs camerounais à l'heure actuelle? En fait, l'influenceur, pour moi, l'influenceur, il y a déjà deux types d'influenceurs pour moi. Mm-hmm. Le premier, il y a les gens qui influencent sans savoir qu'ils sont en train d'influencer. Donc pour moi, il y a ça. Il y a d'autres qui influencent. Les grandes personnes derrière qui ont de l'argent viennent vers eux. Vous dites que maman, tu peux te faire gagner de l'argent avec seulement en postant comme tu fais là. Mm-hmm. Seulement avec tes idées que tu apportes. On peut te faire gagner de l'argent. Mmh. Ou bien avec l'image que tu as, tu peux gagner de l'argent. Mmh. Pour moi, l'influenceur, comme on dit l'influenceuse, influenceur, là, c'est juste des gens, comme monsieur a dit tout à l'heure, qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est qu'on dit qu'il faut aller travailler au champ. Il faut aller vendre la tomate au marché. Pour eux, c'est plus facile de mettre le crédit. La connexion qu'ils n'ont même pas mis, qui demande à quelqu'un que, pardon, faites-moi un peu, je veux mettre la connexion pour pouvoir nous influencer. Mmh. Maintenant, ils viennent avec leur atout. Je vais prendre l'exemple de Diana Bouli. Elle nous influençait. Elle faisait les choses que ma mère me racontait avant, les trucs de l'époque. Moi, je n'étais pas en connaît. Elle nous influençait. Maintenant, ma grande surprise, quand je revois sur la toile, elle est à moitié nue. Il y a les chichas, les whisky posés partout. Elle va encore m'influencer comment? On peut t'influencer négativement, on t'influence aussi positivement. Mmh. C'est à toi de voir. Sauf que présentement, les enfants à partir de 12 ans ont déjà les téléphones Android. C'est ça le problème, le véritable problème. Nos enfants présentement à 12 ans, ils ont les téléphones Android. Est-ce que sont les enfants le problème? Moi, je pose la question sur les influenceurs en eux-mêmes. Quel est le regard que vous posez sur eux d'une manière générale quand on parle des influenceurs au Cameroun? Sont-ils justement ceux-là qui apportent un plus dans la société? Oui, c'est ça ma question. En fait, moi, je ne peux pas dire qu'ils apportent plus. Hein. Mm. Parce que pour moi, dans ma vie, ils ne m'apportent rien. D'accord. Donc pour moi, ils ne m'apportent rien du tout. Les influenceurs n'apportent rien. Mm. Juste pour eux, leur visibilité. D'accord. Parce que dernièrement, une influenceuse qu'on appelle Muriel Blanche, elle a enfermé un monsieur. Parce que le monsieur lui a fait comprendre que elle a oublié de se maquiller. Qu'elle a présentement, elle est laide. Il faut qu'elle rentre, se maquiller, ressort. Mmh. Elle a mis le monsieur en cellule.
Quand elle ment, je me pose la question qu'elle nous influence en lui mettant sur lui comment. Elle a décidé d'être influenceuse, qu'elle nous laisse commenter, on doit commenter. Mm-hmm. C'est notre travail. C'est aussi le prix à payer là-bas. Voilà, c'est aussi le prix à payer là-bas. Merci. Bernardo Basson, quand on parle des influenceurs au Cameroun, on a envie de se poser la question, c'est même quoi finalement cette histoire d'influenceurs? Et quand nous voyons ce que ceci nous serve, on se pose une autre tonne de questions. Monsieur Fangono, y répondre, c'est vraiment complexe parce que j'ai le malheur ou j'ai la mauvaise habitude de ne pas toujours faire la langue de bois. Ouais. Toute société contient des personnes qui influencent à des niveaux différents, par des contenus différents, des propositions différentes. Mmh. Vous avez des influenceurs sur le plan politique qui marquent la scène politique. Des influenceurs économiques, ceux qui ont réussi à avoir beaucoup d'argent par le biais du travail ou qui ont su fructifier l'héritage. Mmh. Il y a des influenceurs culturels, des prêtres, des pasteurs, des religieux, etc. Bref, les influenceurs sont des personnes qui sont censées modifier le regard de la société et des personnes peu éduquées ou peu édifiées sur certains sujets. Mmh. Sauf qu'au Cameroun, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que la société camerounaise, comme M. Nimegla souvent dit, a un niveau de conscience sociale très bas, à tel point que les jeunes sont plus attirés par des contenus pervers et par des contenus, on va dire quoi, à caractère sexuel ou à caractère financier. Deuxièmement, on a des influenceurs eux-mêmes qui ont perdu toute moralité, toute sensitivité et tout bon sens et qui ne recherchent que l'argent à tout prix et à tous les prix. Et parfois, certains vont très loin dans le but de se faire beaucoup d'argent. Donc, officiellement, beaucoup apparaissent comme des influenceurs, mais officieusement, beaucoup sont des sorciers. Donc, au Cameroun, depuis 2019, il y a une vague de jeunes personnes qui se font appeler influenceurs. Qui, pour certains, au départ, étaient des producteurs de contenu qui animaient, qui émerveillaient, qui faisaient rire des gens, mais qui, à mesure que le temps a passé, se sont rendus compte qu'on pouvait avoir beaucoup d'argent ou se faire beaucoup d'argent par les réseaux sociaux et ont donc commencé à faire des choses pas bien. Mais je ne dirai pas des choses qui peuvent être délicates maintenant. Je vais quand même dire ceci. Et il faut que peut-être Nelly et cette dame-ci le sachent. Lorsque vous faites certains travaux initiatiques, il y a des choses que qu'on vous apprend et que vous savez. Il y a plusieurs types de magie. Il y a les abjurations. Il y a les conjurations. Il y a la mancie. Il y a les envoûtements. Il y a les enchantements. Il y a plusieurs types de magie. Beaucoup d'influenceurs se font utiliser, se font utiliser par deux types de magie. Il y a les envoûtements, il y a les enchantements. Par les envoûtements, certaines personnes viennent leur donner beaucoup d'argent, parfois, en leur demandant de se produire sur la toile et de ramener certaines personnes qui vont les suivre. Ça crée un envoûtement collectif sur les personnes qui vont les suivre parce qu'il y a souvent générique des choses comme ça qu'on utilise et qui endorment les gens. Ça mal partie de la jeunesse. Ça, ce sont les envoûtements. Maintenant, il y a l'enchantement. L'enchantement, c'est un ensemble de techniques qu'on utilise en magie pour donner de la force par le souffle à une entité. Ça peut être une arme, ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un d'autre pour le rendre plus puissant, plus bon, puissant, entre guillemets, plus célèbre. Et donc, il doit être suivi par une masse de personnes. Le but est double. Premièrement, il faut convertir et pervertir certains jeunes qui sont fragiles, qui sont sensibles, en les soumettant aux pratiques comme l'homosexualité. Qui sont vulnérables. Et donc, quand un jeune regarde, par exemple, un influenceur qui a une très belle vie très rapidement, le jeune aussi vit dans la misère, il veut l'imiter. Cet influenceur lui fait donc comprendre que, ok, si tu veux vivre comme moi, viens, je t'emmène pour avoir ce que j'ai. Et donc, on les soumet aux pratiques. Bizarre, vous voyez. Donc, le but, c'est de recruter juste beaucoup d'âmes. Maintenant, l'argent, je vais sortir par là avant de prendre la seconde prise de parole plus tard, est une modalité énergétique. Toutes les figures qu'il y a sur l'argent sont généralement magiques. Ça fait peur de le dire, mais c'est vrai, il faut le savoir. L'argent est rechargé particulièrement à sa conception. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont 100 000, n'arrivent même pas à partir ici pour le carrefour, ils tremblent parce qu'ils sont faibles. Il y en a qui ont sur eux 2 millions, mais ils sont plus forts. Du coup, il y en a que l'argent influe et d'autres que l'argent influe moins. Ce qui fait donc que, quand ces personnes ont de l'argent, elles oublient que
C'est une énergie qui exige et qui demande. Parfois, l'argent est posé chez vous. Vous avez envie de dépenser, parce que vous êtes plus faible. Les esprits de l'argent sont plus forts que vous et ils vous contraignent à aller faire des sorties, à aller boire, tout ça, parce que l'argent vous domine, vous voyez. Donc, beaucoup d'influenceurs sont de très petits esprits. Ils sont très faibles. Ils sont manipulables et manipulés par l'argent. Ils entraînent une masse critique de jeunes vers des comportements délicats et ça finit comme ça finit parce que il faut payer la contrepartie. Ah oui. Il y a une contrepartie. Toujours. L'argent qu'on peut gagner sans travailler, c'est l'héritage. Mis à part cela, l'argent qu'on gagne, c'est par une contrepartie qui peut être l'effort. Effort physique, effort intellectuel. Donc ceux qui veulent faire ni d'effort physique, ni d'effort intellectuel, qui n'ont pas héritier, mais qui veulent se faire beaucoup d'argent, doivent payer la contrepartie qui peut souvent aller très loin jusqu'à la mort ou au sacrifice. Merci à vous déjà Bernardo pour ce distinguo que vous apportez, parce que à ce niveau, nous voulons aller et pousser le bouchon plus loin pour comprendre de quoi il s'agit. Vous avez fait la cartographie des influenceurs en rappelant qu'on peut être influenceur politique, économique et autres. Et ça se sait depuis la nuit des temps, mais depuis un certain temps, pour le rappeler à ceux qui nous regardent, nous parlons d'une catégorie d'influenceurs qui sont venus dans devant la scène pour nous présenter leurs faits et leur puissance. Mais aujourd'hui, on se pose justement la question de savoir, Bérugne, mais que se passe-t-il avec nos influenceurs, cette catégorie d'influenceurs que nous avons connue depuis il y a peu? Il faut déjà remarquer que la plupart de ceux qu'on appelle influenceurs étaient très faibles à l'école. Ah bon? Et ont abandonné l'école très tôt, la plupart. C'est très important de le noter. Oui. La plupart des TikTokers sont des vendeuses de piments quand il n'y avait pas encore le net. L'image vient seulement décupler la connaissance. Le TikTok qu'on vous donne au Cameroun n'est pas le TikTok qu'il y a, par exemple, en Belgique ou en Chine, et ainsi de suite. Nous sommes victimes d'une société dans laquelle on ne protège pas les gens. Même quand les sectes sont entrés, les sectes pernicieux sont entrés au Cameroun, on a eu la chance au début que le président était un musulman à l'époque, parce que je sais de quoi je parle. Il a empêché aux sectes pernicieuses de s'exhiber et d'attirer grand monde. Après, un catholique est arrivé à la tête de l'État. Chez les catholiques, c'est la liberté. Chacun fait comme il veut. Vous avez commencé à voir sur les plateaux de télé, partout, les gens proposer des services mystiques aux gens. Il faut dire que l'être humain est constitué de cette partie qui est attirée par les choses mystiques. Et dès qu'on voit un esprit faible, on peut facilement l'entraîner. Ce qui s'est donc passé quand le net est arrivé, c'est que l'image a des énergies particulières qu'elle transporte. Être à la télé, c'est déjà influencé. Être sur les réseaux sociaux, c'est influencé. Les gens vous voient au quotidien. Et la personnalité ou l'image que vous renvoyez à ces gens-là devient votre prison. C'est-à-dire, vous apprenez à dire aux gens que vous avez une image particulière. Vous devez donc défendre cette image que vous projetez. Sur le long terme, il y a quelqu'un qui a cité Diana Bouli, qui avait des contenus sur les anciens succès d'avant et s'habillait. Je veux dire ici que Diana Bouli a été mon élève de terminale au collège Montesquieu. J'étais son professeur de philosophie. Elle était l'élève la plus brillante en philosophie en terminale et en français également. J'ai été très séduit quand j'ai commencé à voir ses premiers contenus. Et Boalotin, ceci, j'étais Mais pouf, j'ai compris que l'esprit de ce monde l'avait habité. Elle n'est plus l'élève que j'avais eu. Aujourd'hui, elle revendique qu'elle peut faire de sa nudité ce qu'elle veut. Mais ce n'est pas elle qui parle, c'est l'esprit qui est en elle qui parle. Oh là là. Donc il faut savoir que la plupart des influenceurs, surtout ceux du Cameroun, sont habités par de mauvais esprits. On peut citer les groupes des esprits diaboliques. Le premier groupe d'esprits diaboliques, on l'appelle sensuel et séducteur. Le deuxième, on l'appelle animé et sournois. Le troisième, on l'appelle lourd et lugubre. Je peux faire un... Mais vraiment... Alors c'est ces esprits-là qu'on vous donne.
Et ces influenceurs sont tenus par certains pontes de notre régime et certains hommes très riches, oui, ah bon? De notre système monétaire, qui les appellent, leur disent, bon, vous voyez, avant là, tu m'apportais des titres là en catimini, mais il faut que je te donne une vie de luxe. Comme ça, les filles vont te demander d'où ça te vient. Plus elles vont s'intéresser à la source de ta richesse, mieux on va faire notre réseau. Voilà comment ça se passe. Vous avez vu une situation abracadabra dernièrement. Quand je dis, je combats certaines choses, les Camerounais qui ne comprennent pas vivent comme. Vous avez vu que pour aller au Qatar, on a ramassé les influenceurs. Vous pensez qu'ils sont allés faire quoi là-bas? Les influenceurs, c'est-à-dire les gens qui ne savent parler ni français ni anglais, ils peuvent rien dire d'intéressant. Ils peuvent pas représenter positivement l'image du Cameroun. Mais on les a ramassés. C'est pour qu'ils aillent s'initier à un autre niveau encore de bêtises. Dans un pays qui est particulièrement fermé. Mais vous savez que là où il y a une hyper concentration de personnes, mais également là où on donne l'impression que les lois sont très rigides. On nous a fait comprendre que les influenceurs qu'on a amenés au Qatar, c'était pour aller vendre l'image du Cameroun. Ben, vous voyez bien qu'on mentait. On mentait. C'est ce qu'on nous a fait. On a ramassé des gens. Et revenu de là, et comme les jeunes disent sur les réseaux sociaux, ils ont débloqué un nouveau niveau. Un autre niveau. Vous voyez, on vous a révélé qu'il y avait à Dubaï le porte-à-porte. Mais comment vous imaginez qu'à un moment donné, presque tous les jeunes Camerounais, jeunes Camerounaises, allaient à Dubaï? Vous n'avez pas fait attention? Les mêmes destinations. Ils allaient à Dubaï se filmer. Alors, vous connaissez M. Dampoulou? C'est l'homme le plus riche d'Afrique centrale. D'Afrique noire francophone. C'est l'homme le plus riche. On a aperçu rarement ses vidéos. Ah oui. Il a dit une fois dans une vidéo que l'argent, c'est comme les oiseaux. Ça n'aime pas le bruit. Quand ça entend le bruit, ça part. Mais comment vous imaginez que les gens qui prétendent avoir de l'argent parlent d'argent? Pour tous les mystiques qui les voient. Il y a une là, on me dit qu'elle a mis les gens. Elle dit que son loyer, c'est un million de francs. Putain. Alors, logiquement, qu'est-ce qu'on fait avec un loyer? Si on est capable, on se construit une maison et dans la discrétion. Mais on affiche, on dit, je loue une maison d'1 million et on note ses dépenses. À l'école, elle était parmi les dernières de la classe. C'est-à-dire que c'est la fille là à qui on donnait le bulletin en catimini. Parce qu'on ne voulait pas lire sa moyenne. Aujourd'hui, ses camarades le savent. Et un matin, ses camarades commencent à la prendre pour un modèle de vie. J'ai dit ce matin sur un poste d'un monsieur qui disait comment condamner quelqu'un qui travaille s'il a une voiture de 28 millions. Non, ce n'est pas le fait d'avoir une voiture de 28 millions, c'est la cadence et la célérité avec laquelle on a ces biens-là. Son frère Cabrel, qui est dans la glace aujourd'hui, nous a présenté il y a quelque temps une belle voiture, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est dans cette belle voiture qu'il est mort, n'est-ce pas? Moi, je veux honorer les morts, mais je veux sauver surtout les vivants. Nous, un Bamileke, est-ce qu'il avait vu d'autres Bamileke se vanter quand ils ont acheté les voitures? 46 millions. Pourquoi vous voulez... Les Bamileke qui ont acheté les voitures avant Cabrel, les vrais Bamileke qui avaient beaucoup d'argent, vous avez vu qu'une seule personne venir montrer que voici ma voiture de tant nombre de millions? Moi, j'ai jamais... C'est le nouveau monde, je ne le comprends pas. Pourquoi vous cachez? Mais c'est quelle histoire? Vous savez seulement que la sorcellerie la plus primaire au village, dès que tu commences à construire, on veut te tuer. Mais comment vous pouvez imaginer que tu peux afficher de manière ostentatoire les biens et les gens ne cherchent pas à te faire du mal? Puisque nous vivons dans un environnement de pauvreté. Moi, je vais vous dire que même les membres de ma famille ne connaissent pas mes biens. C'est normal. C'est même indiqué. Mais comment ça se fait que les gens qui n'ont même rien, parce que ces gars n'ont rien, c'est du bling bling. Quand la vérité sort, vous rendez compte que c'est des locataires ici. Parlons de l'humour, parlons de la comédie. On a connu les grands comédiens dans ce pays, non, de tous les temps. Jean-Michel Cancan, Defke Moktoy, Cindy Mignac. Ces gars avec l'argent. Vous voulez me dire que vos tintins là, ils produisent quoi? Pour qu'en si peu de temps, on les utilise pour attirer les âmes faibles. Et mon message, c'est pour les vivants, les jeunes gens.
Rapprochez-vous des gens qui ont bâti leur fortune escalier après escalier et qui le font dans la discrétion pure. Mmh. Ils pourront peut-être vous donner certains secrets de la vie. Parce que l'argent, là, ça tue. D'accord. L'argent tue. Vous savez, Maléa Mamoni, c'est ce que les Douala disent, les conseils de l'argent. Mmh. Les conseils de l'argent, c'est lève-toi, pars, donne, saute, monte. Mmh. Mais c'est les conseils de la mort. J'ai souvent vu les jeunes gens, vous arrivez dans un snack, vous voyez un groupe de jeunes gens qui habitent tous chez leurs parents, en train de commander des ruinards, en grande quantité, mais ils sont là aussi dans les véhicules de leurs parents, les véhicules des enfants, des bobos. J'appelle souvent ça les cimetières. Donc, ils viennent avec leur cimetière, ils gardent devant les snacks, et ils emportent les jeunes filles qui aiment le luxe, c'est-à-dire les jeunes filles qui doivent mourir, en fait. Parce qu'il y a des gens nés pour être vendus. Les sacrifiés. C'est-à-dire, elles se lèvent un soir, elles vont s'asseoir dans un snack, elles commencent à boire un faux Fanta pour qu'un enfant de bobo arrive et la mettre dans le cimetière qu'il a apporté, le caveau familial qu'il a apporté en appelant voiture, pour aller la tuer quelque part. Vous pouvez échapper quelquefois, mais on vous suce progressivement. En fait, d'autres jeunes filles qui se contentent, comme vraiment, je suis choqué, vous sortez avec un homme qui vous... Vous avez des relations amicales avec un homme qui n'entretient même pas de relations sexuelles avec vous, mais qui vous donne beaucoup d'argent. Vous pensez qu'il vous donne cet argent pour rien. Vous pensez qu'il a un arbre qui produit de l'argent. En fait, il vous fait manger la part qui vous revient dans ce qu'il va prendre. C'est votre part qu'il vous donne. Et donc, vous pouvez dire que vous payez l'école de 14 millions à votre enfant. C'est-à-dire une folle. Hier, vous étiez une petite fille de quartier difficile qu'on a récupérée parce qu'elle avait un joli visage. On vous a mis dans les ADC pour être... Qu'est-ce qu'elle était là-bas? Donc, l'école vous avait dépassé, tout vous avait dépassé. On vous a mis là-bas. Joli visage, vous êtes sorti avec d'autres gens qui avaient l'argent que le monde distribue. Vous vous permettez de dire aujourd'hui, Foto Victor, vous avez déjà dit à combien il payait l'école de ses enfants? Jamais. Mais d'où vous viennent ces idées-là? L'école de mon enfant, c'est 14 millions. On va situer l'enfant là. Vous voyez ça? Donc si l'enfant lui paye l'école de 14 millions, alors que nous en sortons pas avec l'école de 200 000, il faut que l'enfant là disparaisse. Et vous voyez, ces enfants qu'ils sont allés ramasser dans les sectes et autres, ils vous les affichent tout. Oh, vraiment, son enfant est terrible. Il y a une autre là, elle était avec le diamant. Ils sont allés prendre les enfants dans les sectes. Elle était avec le diamantaire. Maintenant, laquelle toc-toc, elle ne comprend plus rien. Et les jeunes ne s'arrêtent toujours pas pour demander que... Mais j'ai prédit, le jeune Loric vous l'a rappelé l'autre jour, notre téléspectateur vient. Entre 2023 et 2024, fin 2024, vous aurez au moins une dizaine de morts. Des influenceurs, au moins, et toujours dans des conditions scabreuses. Voilà. Parce que le programme est là. Le programme de leur mort. Oui. Le programme de leur mort est là. D'accord. Et beaucoup de jeunes, enregistrez-vous toujours, vous ferez partie du programme. Merci. Dario, après vous, nous voulons prendre encore Bernardo. Je vous ai vu avec la volonté d'ajouter quelques mots rapidement. En fait, parce que il a touché ce que je ne voulais pas toucher. Oui. Mais on va encore un peu entrer. Oui. On va encore lever un mensonge. Beaucoup vous disent les contenus digitaux, les publicités, etc. Ça paye. Instagram vous donne 1 euro pour 1000 vues. Donc 10 euros pour 10 000 vues. Donc 100 euros pour 100 000 vues. 1000 euros pour 1 million de vues. Au Cameroun, il n'y a pas beaucoup d'influenceurs qui parviennent à avoir des millions de vues pour gagner assez d'argent afin de mener la vie qu'ils présentent aux gens. Donc ces contenus, certes, rapportent, mais pas autant qu'on fait croire à certaines personnes. Premier élément levé. Deuxième élément, sur la question de Dubaï. Monsieur Yemekaïla, pour la parole, vous avez vu que j'ai un peu serré la bouche. Bon, je vais dire sans dire. En fait, ce qui ramasse nos influenceurs, c'est une petite secte qui est basée à Dubaï. Ça, il faut le dire. Elle est basée à Dubaï. Elle ramasse beaucoup de jeunes qui vont là-bas, qui font des alliances, qui font des pactes, qui prennent des choses, qu'on recharge particulièrement. On leur donne quelque chose dans la bouche pour qu'ils viennent parler et attirer des gens. Et en retour, donc, le troisième élément, on les vampirise. Ils sont vampirisés de deux façons. Déjà, au niveau de la source, on leur donne de l'argent et on prend de l'énergie en eux particulièrement. Et également au Cameroun,
il y a beaucoup de hautes personnalités, beaucoup qui achètent de jeunes gens. Lesquels jeunes gens traînent généralement avec des influenceurs, des enfants qui traînent avec eux. On a beaucoup d'argent aux mentors, aux influenceurs, afin qu'ils amènent ces enfants-là vers un plus grand nombre de disciples. Donc, c'est un système au Cameroun qui est déjà huilé et qui est dangereux. Il faudrait qu'on en parle. Pour moi, ceux qui commettent ces actes sont vicieux. Mais les enfants. Vous en connaissez quelques-uns? Mon ami, même si j'en connais, il faut que non. Le CNC ne vous dit rien. Même si j'en connais. C'est à vous qui serez suspendu. Hein. Même si j'en connais, vous allez seulement me tuer pour que j'en parle. Non, moi, je peux vous donner des noms. Vous en voulez. Non, pas vous. J'ai posé la question. Je ne dis pas. Même tabou. Je ne dis pas. Mais on sait comment ça se passe. Donc, vraiment, les plus jeunes qui sont fans des influenceurs, évitez au maximum. Il n'y a pas d'enrichissement immédiat, excepté l'héritage que le parent vous lègue. Si ce n'est pas ça, la fortune se construit, comme il a dit, par pain après parpaing, goutte après goutte, miette après miette. D'accord, merci. Je voudrais l'avouer parce que certains ont même commencé par rappeler avec insistance que nous vous avons, chers téléspectateurs, et nous savons également que vous êtes là. Voilà pourquoi je vais voir quelques réactions et présenter celles-ci à nos téléspectateurs. Bonjour à vous sur le plateau. Mes respects au grand frère Blériot. Bonjour au dénonciateur attitré Bernardo. Le jeu du hasard, c'est comme une drogue. Après, on ne sait plus s'arrêter. Je conseille de même... Je conseille de ne même pas commencer vraiment les crypto-monnaies partout. Va-t-on s'en sortir? Hermine Dodja s'interroge ce matin. Elle se lamente même à la limite. Merci à vous, très chère Hermine. Bonjour à tous sur le plateau. À ne pas confondre influenceur ici n'est pas un adjectif qualificatif, mais plutôt un métier. Car si c'était le cas, nos parents seraient des influenceurs, sauf qu'ils ne sont pas rémunérés pour cela. C'est Yannick de Banjoun qui nous écrit ce matin. Bonjour, sacré Blériot Niemek. Tu as tout dit aujourd'hui et tout est vérité. Bonjour à tous. Monsieur Fotio à Douala nous a écrit. Merci également à vous, très cher. Bonjour à vous sur le plateau. Merci beaucoup à Blériot pour les conseils. Je regarde l'émission avec mes enfants âgés de 11, 15 ans. Merci, c'est Valérie qui nous le confirme ce matin. Merci également. Bonjour à vous sur le plateau. Dites à ce monsieur qui a dit que les thèmes ne sont pas bons, que c'est ça même la société pour la construire. Il faut commencer par ce qui est minable, ce qu'on ne voit pas. Surtout, le thème d'aujourd'hui renseigne davantage. Merci pour le travail. Bon, c'est à vous de juger. Hein. Chacun a sa façon de voir. Nous avons trouvé important de revenir avec le sujet sur la table ce matin. Ce qui se passe avec nos influenceurs, l'informatique et la technologie sont venus modifier l'orientation des métiers tels que préconçus par la mondialisation, de plus en plus contestés par une alternative mondialiste portée par les pays émergents. La véritable puissance ne s'appuie pas sur le matériel vide. Les grandes nations sont celles qui tutoient les réalités alchimiques et seront perdues. Les nations qui se confinent dans les réalités matérielles et superficielles. Voilà tout. C'est Blaise Sida qui le dit ce matin. Merci à vous, très cher Blaise, pour votre participation. Et puis, nous avons ce message de Hutner depuis la Côte d'Ivoire. Les jeux de hasard génèrent 352 milliards de dollars. Mais pas, ce n'est pas chez vous. Donc on peut comprendre. Bonjour les démineurs. Chapeau pour toute l'analyse. C'est Josiane Doja qui dit cela à Blériot ce matin. Bien, après ce message aussi, on a juste besoin du contact de Blériot Niemek. Là, c'est... Bon, malheureusement, la personne ne s'est pas fait identifier pour savoir qui demande même finalement le numéro. Bonjour Jean-Bruno Fangoné ainsi qu'à ton panel concernant la mort de Cabrel Nandip. Voici une petite analyse de sa mort. 33 ans, c'est égal 3 plus 3 qui font 6, le 15. Parce qu'il est mort le 15, 1 plus 5, ça fait 6 du mois de juin qui fait le 6e mois. Et c'est égal encore à 6. Regardez bien les chiffres. 666, là, c'est le chiffre de la bête. Ce décès n'est pas simple. C'est junior depuis en quoi
trois banques qui fait ces calculs. Merci à vous très cher Junior pour votre participation aussi ce matin. Cette histoire d'influenceurs, du vrai n'importe quoi. Laisser nos enfants aller à l'école et étudier, c'est quoi ce pays où on a normalisé l'écart et on a écarté la norme? On va marcher dans ce pays un jour, c'est inadmissible. Je suis très révolté ce matin. C'est encore Hermine Doudja qui est revenue. Alors, la question qu'on a posée, c'est qu'est-ce qui se passe réellement avec nos influenceurs? Paris, Kevin, on a déjà un nombre de morts assez considérable. On a même certains qui commencent à perdre un peu de leur raisonnement, comme le rappelait encore Bléry Ounimek tout à l'heure, quelqu'un qui disait « j'ai tel nombre de millions », mais aujourd'hui, on n'a pas un souvenir de comment ils se comportent. On a même de la peine à reconnaître, même quand il est proche de nous, que c'est voilà cette personne qui dit avoir autant de millions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous avez perdu le Nord? Non, ben. Bon, en fait, déjà, il faut savoir que je suis chrétienne. Mm-hmm. Et moi, je dis des choses telles que je vois et ce que je dis toujours, c'est que je pense. C'est normal. Et ça voilà. Veut dire que vous êtes encore en vous. Et je serai toujours moi-même. Vous le souhaitez. Déjà, moi, je continue à penser que ceux qui sont morts, ça a été la volonté de Dieu. Tout court. Mmh. Maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun est libre d'analyser des situations comme il veut. Je ne vais pas en vouloir à quelqu'un. Mmh. Et si quelqu'un dit que la mort de Cabral n'a pas été une mort naturelle, il sait sur quoi il se base. Mais moi, je sais qu'il a fait un accident et ça a été la volonté de Dieu. Mmh. Maintenant, parlons d'influenceurs. Un téléspectateur a dit ce n'est pas un métier. Et moi aussi, je le dis toujours, influenceur n'est pas un métier. Il y a des créateurs de contenu, ils font des vidéos web, les vidéos comiques que tout le monde aime d'ailleurs. Là, on peut dire, là, c'est un métier. Il y a les acteurs comme moi. Ça, c'est aussi un métier, les scénaristes et tout. Maintenant, ça dépend aussi de le nombre de personnes qui nous suivent, en fait. Mm-hmm. Là, on peut dire, on influence quelqu'un par le nombre de followers qu'on a. Moi, je ne suis pas sur Instagram. Je suis sur Facebook. Et je ne sais pas, ça fait pratiquement 3 ou 2 mois aujourd'hui que je ne suis plus ancrée dans TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok au Cameroun, c'est un grand n'importe quoi. Tu vas ancrer dans TikTok, tu vas voir des filles à moitié nues. Et ce sont les grands, excusez-moi, les grandes personnes, les hommes qui aiment ce genre de choses. Ah bon? Ma soeur a parlé tout à l'heure d'une influenceuse que je ne vais pas, je vais taire son nom. Elle a commencé à faire des vidéos très, tout le monde appréciait. Mais à un moment, elle a changé. Pourquoi? Parce que c'est ce que les gens aiment. C'est ce que la plupart des gens aiment. Peut-être que vous n'aimez pas voir une fille devant son téléphone presque nue. Mais tu vas voir quelqu'un qui se filme à moitié nue. Elle a plus de 10 000 vues, mmh. 10 000 likes et tout. Mais toi, tu vas venir par exemple parler du thème de l'église le dimanche. Tu auras 14 vues. Ça veut dire que c'est ce que le commun des mortels aime. Mm-hmm. Et on vous sait ce que vous aimez. Mm-hmm. Maintenant, est-ce que c'est diabolique? Je ne sais pas. Moi, je... Oui, ça l'est. Ça l'est. Okay. C'est très diabolique parce qu'il faut comprendre que le sexe lui-même, quand il est fait publiquement, est diabolique. Ouais, là, vous voyez, c'est votre quand, idée. Non, ça, il faut apprendre. Quand le sexe est fait publiquement, il est diabolique. Vous okay. pensez que les gens aiment. En fait, on les attire. On les attire. Normalement, la nudité, on ne la voit pas comme ça. C'est vrai ce que vous dites. Mais quelqu'un comme moi, je vais jamais prendre un téléphone, je vais me déshabiller ou bien je vais porter un vêtement qui montre mon ventre ou bien mes cuisses pour faire une vidéo parce que telle personne va liker ou pas. Et généralement, les gens qui aiment, ce ne sont pas les gens qui vous veulent du bien. Ce sont les gens qui veulent abuser de vous. Et c'est ce que moi, déjà, je ne commente pas sur les posts de ces influenceurs-là. Mm-hmm. Parce qu'il y a des choses que je vois sur Facebook que je n'aime pas. À mon jeune âge, je peux même attraper quelqu'un, je te tue parce que tu es en train de pervertir notre jeune génération qui vient. Mm. Et là, ce n'est plus bon. Mais maintenant, on peut utiliser notre rang d'influenceur pour faire des bonnes choses. On peut vivre de ce statut d'influenceur par des publicités. Par exemple, si j'ai 100 000 abonnés aujourd'hui,
je peux faire une publicité, les gens peuvent m'approcher pour faire des publicités. Oui. Et là, ça peut m'apporter des revenus. Ça nous savons, parce que ça a même été peut-être clairement expliqué par Bernardo. Je pose la question pour aller un peu plus vite, parce que j'ai une contrainte de temps. Moi, j'ai posé la question sur ce qui se passe aujourd'hui, où nous en revenons pas du fait de constater que voici un nombre de morts assez impressionnant, mais aussi des dérives qui va s'agrandissant, ça interpelle. Voilà pourquoi nous avons pensé mettre le sujet sur la table ce matin. Oui, je comprends. Mais moi, je vais vous dire, moi, je crois en tout. Tu es là, tu peux me dire aujourd'hui que ma robe est blanche. Je vais te dire, oui, elle est blanche. Moi, je crois en tout. Comme mon grand frère aujourd'hui, il a dit qu'il y a le satanisme derrière tout ça. C'est possible qu'il y ait un satanisme. Maintenant, nous, et ça passe toujours par les jeunes filles. Excusez-moi, moi, je le dis, la jeune fille est plus exposée. Et ça passe aussi par nous. On aime la vie facile. On aime tout ce qui est beau et tout. Et quand tu vas voir une influenceuse sur les réseaux comme la grande sœur Muriel Blanche, bien sûr, tu vas voir, elle a une voiture de combien de millions, elle a ci, elle a ça, tu vas te demander qu'est-ce qu'elle fait pour avoir ça, tu vas vouloir faire comme elle. Tu ne tiens pas compte de tes parents, ton père, ta mère vend par exemple les tomates au marché, ton père mécanicien, et toi tu vas avoir une voiture de 80 millions. Sérieux? Est-ce que tu réfléchis? Après demain, quand on va aller te porter mort dans un accident, c'est normal que les gens pensent que tu as crampé dans les trucs louches, en fait. D'accord. Comme quoi, ceux qui précèdent là sont ceux qui n'ont pas su faire la part des choses et qui ont crampé. Effectivement. C'est ce que vous dites? Oui, c'est effectivement. D'accord. Je dis juste que... D'accord, on a compris. Voilà. On a compris. Nelly, la question reste la même. Qu'est-ce qui se passe-t-il justement avec ces gens-là que vous regardez au quotidien? Parce que je le ai dit et ça, vous ne pouvez pas démentir parce que c'est de vous. Vous êtes cette dame-là qui passe la plupart de son temps sur le net en train de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe réellement avec eux? Est-ce qu'ils n'ont pas respecté la posologie pour espérer rester dans la logique de Bernardo et de Blériot? Parce que comme quoi, c'est un secteur assez glissant. Est-ce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui pour qu'on les compte finalement à l'appel? Vraiment, moi je pense que les influenceurs qui nous ont quittés, parce qu'ils sont déjà nombreux, je me dis qu'ils ont eu à mettre les mains là où il ne fallait pas. Ah. Parce que je ne trouve pas leur mort naturel. N'est-ce pas? Oui, moi je sais que quand tu es malade, que tu es gravement malade, tu peux mourir. Tu ne peux pas dormir, tu vois, avec ton jeune âge, tu meurs le matin, on dit que tu es déjà mort. Les autres disent que non, c'est l'accident, c'est monté, ça là c'est monté, c'est le poison, tout ça. Donc, on se base seulement sur les faits pour cacher vrai d'où ça sort. Donc, pour moi, c'est pas naturel. Leur mort n'est pas naturel. Je ne connais pas d'où ils partent mettre leur mort. Je dis seulement que ce n'est pas naturel. Oui. Donc, pour moi, c'est pas naturel. Et les influenceuses là, qui persistent dans ça, qui persistent aussi à vouloir mourir, parce que c'est ce qu'il faut qu'on dise, ça. C'est ce qu'il faut dire. Parce que voilà, qu'au cause de diamants, c'est grave. Elle expose l'argent. Dans les réseaux, nous montrent comment elle paye les motos, comment elle paye les trucs à son jeune âge, parce que je suis sa grande soeur. Elle a pris l'argent où? Elle a construit l'école à quel âge? Elle a pris l'argent où? Tout ça, après demain, on va la voir, elle est morte. On va dire que les influences, elle influence en quoi? D'accord. Et c'est moi, je peux me lever. Je voudrais dire quelque chose, monsieur Niamek l'a dit. Oui. C'est risqué, mais je vais me lâcher. Finalement. Oui. Et ça concerne un peu Cabrel, vraiment sans manquer de respect à sa dépouille. Que non. Et d'autres personnes. Ça concerne leur origine. Il a dit qu'il est de Baganté, comme ma soeur qui est en face. J'ai longtemps vécu avec les Bamiléké. Dans ce pays, les nordistes, dont ceux du Septentrion et ceux de l'Ouest, sont très humbles. Je dis bien. Ils sont tellement humbles que c'est toujours choquant de voir quelqu'un qui est originaire quelque part, d'avoir ce genre de comportement. Un Américain, c'est un milliardaire, tu ne sais même pas. Son propre enfant, parfois même peut prendre le pouce alors qu'il a beaucoup de milliards, parce qu'il apprend à l'enfant l'effort. Oui. C'est dans leur culture. Oui. Nous, les Sawa, nous, on aime souvent nous de la côte. On aime parfois tout ce qui est protubérant, tout ce qui est exubérant. Mais ceux de l'Ouest, c'est ceux du Nord.
au Cameroun sont les plus riches, vous le savez bien. Oui. Parce que justement, ils gardent le secret, comme ils disaient, de ce que l'argent n'aime pas le bruit. C'est bien la preuve que ces personnes qui viennent de là-bas et qui ont des comportements contraires à l'éthique que leurs parents leur ont sûrement donné, sont allés où il ne fallait pas. Oui. Parce que s'ils avaient gagné l'argent là, comme ce que leurs parents leur avaient appris, selon ces canons-là, ils ne se comporteraient pas comme ça. D'accord, c'est très important de le signifier aussi. Bonjour à tout le panel, merci vraiment pour le travail que vous abattez. Le thème est d'appoint et je voudrais même préciser que c'est bien d'avoir aussi les influenceurs sur le plateau, même si ce n'est pas ce qu'on veut. Bon, on prend quand même. Merci. C'est Patrick Dédéa qui nous écrit ce matin. Voilà, après ce message de Patrick, il y a un autre message qui arrive. Attention, est-ce qu'il y aura deux Patrick Dédéa? Bonjour à tout le panel. Que les influenceurs n'aillent plus mourir sur la nationale numéro 3. Il y a aussi d'autres nationales. Moi, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire. Parce que c'est ma route. Bonjour, Pascal de Douala nous écrit. Merci, Blériou et Bernardo. Merci pour vos spéciaux conseils. Ça, c'est Pascal de Douala qui nous le dit ce matin. Merci également à vous, très cher Pascal. Bonjour, cher Jean-Brunet Fangoni, à tout le panel. Je m'abreuve. Merci beaucoup. Nous, jeunes, ne voulons pas voir ce qui est flagrant. Blériot et Bernardo nous édifient tous les matins, mais au-delà de cela, nous avons des yeux pour voir. Je remercie ici quelques similitudes avec... non, pas que je remercie. Je remarque plutôt ici quelques similitudes avec Didier Arafat et sa mort. Les deux avaient 33 ans. Les deux portaient de gros colliers noirs au cou. Les deux sont morts sur la route et sans trop de dégâts physiques. Les deux étaient beaucoup suivis, avaient leur petit clan. Les deux étaient des adeptes des clashs sur les réseaux sociaux. Les deux étaient. C'est Christian depuis Banganté. Merci et bonne suite à vous. Aussi, hein, oui. Cette affaire a commencé en Côte d'Ivoire. Le Nigeria a suivi. Le tour du Cameroun maintenant. Peut-être le Congo après, qui sait. Je n'ai pas dit que le Congo, hein. J'ai dit peut-être le Congo. Mais ça a commencé avant le Cameroun. Non, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. C'est ceux qui ne sont pas au fait des choses profondes qui pensent que TikTok, c'est la base du satanisme en l'Union européenne. L'Union européenne veut réglementer ce réseau social dû à son contenu. Merci. Blériou Niemek, un dernier mot en quelques secondes véritablement. Quand on a ce cliché noir qui se dessine découlant du comportement de ce que nous avons appelé influenceurs au Cameroun, et nous sommes là pour conseiller la jeunesse qui est le fer de lance de la nation, le Cameroun de demain. Celui qui aime la réprimande aime la science et vivra longtemps. Celui qui hait la correction est stupide. Ceux qui ont déjà fait le choix, parce que moi j'ai connu un jeune avocat qui m'a dit un jour, grand frère, moi même s'il faut vendre n'importe quoi sur mon corps pour avoir de l'argent, je vais le faire. Seigneur. Oui, il y en a qui ont déjà. Vous avez aussi cet audio de ce jeune homme qui voulait vendre sa mère. Oui. On lui dit que non, mais c'est ta mère. Il dit que mais sa mère va mourir un jour ou l'autre. Donc, on voudrait mieux qu'il la vende et qu'il en tire profit. Malheureusement, voilà où la jeunesse est en train d'aller. Comme dernier mot, faisons attention à ce que nos enfants voient et entendent. D'accord. Nous devons combattre ces discours en leur disant des discours contraires. Il faut qu'on réapprenne à avoir honte de ceux qui se sont enrichis sans justification. Merci. Bonjour à vous en studio, je vous remercie vraiment pour votre bon boulot, cette émission. Si beaucoup de jeunes pouvaient être conscients, moi je proposerais que cette histoire de prétendu influenceur, si l'État pouvait même stopper cette histoire, le but des soi-disant influenceurs à 80% pervertit des jeunes et influence négativement et attire des jeunes dans les sectes occultes et autres. Au finish, ce sont des pauvres, ils n'ont rien en leur trompe. Qu'on recommence la bonne éducation à certaines jeunes que la vie c'est la patience, recommandant celle-ci. Le travail, la vie facile, l'envie sont très dangereux pour le corps et l'âme. C'est empereur roi de Yaoundé. Bernardo, nous voulons vous accorder, oui, encore 30 secondes pour votre mot de fin. Chaque vocation est grande lorsqu'elle est poursuivie ou réalisée avec grandeur. C'est un proverbe zambien.
Ça veut dire que il y a des gens qui sont appelés à être populaires, célèbres et même fortunés par les réseaux sociaux. Mmh. Mais il faudrait que cette vocation qui est la leur là soit poursuivie avec grandeur pour que les résultats soient probants et efficaces. Merci. Je commence par vous pour vous dire déjà aussi merci d'avoir accepté notre invitation. Votre dernier mot, Paris Kevin. Merci à vous. Pour la jeunesse qui vous regarde. Pour la jeunesse qui me regarde en ce moment, je vais tout juste dire que sachez choisir vos exemples, vos modèles dans la société. Parce que vraiment, on vit dans une société très délicate aujourd'hui et on ne veut plus continuer ainsi, perdre des jeunes frères comme ça. Merci. Merci également à vous, très chère Nelly Ndaya. Un dernier mot en 10 secondes. Tout ce que je peux dire, c'est qui cherche trouve. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci, à Paris. Merci, merci à Bernardo d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. Le sucre national. Le sucre national. Très bon week-end à vous. Merci à Abliru Niemek pour la disponibilité de notre consultant permanent qui va se déplacer pour un anniversaire à Douala. Mais on a dit, on attend. J'attends mon suivant. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Nous voulons vous souhaiter de passer un excellent week-end dans l'espoir de vous retrouver avec toute la forme qui s'impose lundi prochain. Nous voulons remercier toute l'équipe technique sous la gouverne de Jacques Bichebia pour la réalisation de cette émission tout au long de la semaine qui s'achève. Passez de bons moments avec le programme de votre chaîne de télévision de proximité et du vivre ensemble. Les Amazones, c'est juste après le journal. Thank you.